Bonsoir à tous, merci de nous recevoir. Bienvenue ici au Champ 2 pour Ça se discute. Merci de nous recevoir. Bonsoir à tous. Le thème que nous abordons ce soir sur ce plateau fait partie de ceux que la société ne veut pas entendre. Au nombre de pages noircies dans les journaux ou de minutes occupées sur les ondes, on aurait presque l'impression que la violence conjugale n'existe pas ou presque pas en comparaison des violences urbaines ou des violences scolaires dont on parle beaucoup plus dans les médias. Ce thème relève donc du tabou, tabou attesté par l'extraordinaire différence entre les chiffres officiels et les estimations. Chiffres officiels d'abord, environ 30 000 plaintes et 5 000 condamnations chaque année. Côté estimation, les associations s'accordent sur le chiffre de 2 millions, 2 millions de femmes maltraitées physiquement ou moralement dans ce pays. Physiquement, c'est-à-dire évidemment frappées jusqu'au point d'aller à l'hôpital. Moralement, c'est-à-dire humiliées, voire cloîtrées et totalement coupées du monde, parfois les deux en même temps. La violence conjugale existe donc, elle concerne 10% des couples. Ce soir, nous allons donc sortir du silence des coups, un silence qui parfois dure des années et des années, un silence qui a duré 11 ans pour Jacqueline, bonsoir. Et bienvenue parmi nous, madame. Pendant 11 ans, pendant lesquels votre mari, qui était un grand professeur, pour dire aussi que la violence conjugale touche tous les milieux, vous frappait. Votre témoignage nous aidera donc à comprendre les motivations de ceux qui frappent, en oubliant que c'est toujours motivé soit par l'alcool, soit par une enfance difficile, soit par un milieu difficile, même si ça l'est parfois. Bonsoir Hélène, bonsoir. Bienvenue parmi nous. Vous avez subi pendant 4 ans la violence d'un homme. Vous nous expliquerez pourquoi vous êtes restée à ses côtés, par quel processus on reste aux côtés d'un homme qui frappe. Et en préparant cette émission, vous nous avez dit, à nos journalistes que cet homme était un peu votre gourou et que vous étiez le seul membre de cette secte, de sa secte. À vos côtés Nicole, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Nicole, votre premier mari vous battait, ça a duré longtemps, ça a duré 8 ans. Votre actuel compagnon, lui, vous maltraite moralement. Oui. La différence existe, mais la maltraitance demeure. Et pourtant, vous n'arrivez pas à quitter cet homme et ça fait 20 ans que ça dure maintenant. Vous nous direz pourquoi vous avez l'impression d'attirer la violence des hommes et pourquoi vous avez aussi choisi d'en parler ce soir. Corinne, bonsoir, bienvenue parmi nous, vous avez été témoin et évidemment indirectement victime pendant 16 ans de l'extrême violence qui régnait chez vos parents. C'est peut-être pas le meilleur modèle pour aborder de façon sereine sa vie de femme et sa vie de maman, puisque vous êtes maman. Je vois maintenant un maître S-Télévision, journaliste depuis près de 40 ans maintenant, auteur de livres qui ont fait date, comme Toujours Plus, animateur de plusieurs émissions célèbres. Il anime avec Martine Alaregno Savoir Plus Santé, un samedi sur deux à 13h40. Je vous demande d'accueillir François de Closet qui est avec nous. Bonsoir François. En quelques mots, c'est un thème qu'on aborde, très rarement à la télévision. Qu'est-ce que vous attendez du témoignage de nos invités ce soir ? Bien, on va avoir des témoignages forcément pathétiques, bouleversants. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on ne les prenne pas comme des faits divers. Vous comprenez, on vit dans une société de sécurité. Chacun d'entre nous vit en sécurité et dans cette société. Il y a des centaines de milliers, vous l'avez dit, de micro-dictatures conjugales où on subit la loi de l'oppression, de l'arbitraire, de la violence. Et parce que c'est disséminé dans tous ces foyers, ben vous l'avez dit, on n'en parle pas, on n'y fait pas attention. C'est-à-dire, c'est comme si le respect des droits de l'homme s'arrêtait sur le paillasson du domicile conjugal. Ça, je trouve ça intolérable. Voilà, François, vous conclurez cette émission tout à l'heure, vous intervenez si vous le souhaitez également. Je présente maintenant nos invités à qui nous avons consacré un reportage pour encore mieux comprendre leur histoire. Patricia Melchior, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Il y a près de 2 ans, vous avez réussi à fuir un compagnon violent avec qui vous aviez vécu pendant 6 années. Et depuis quelques mois, vous vivez avec un autre homme qui s'appelle Antonin, qui est derrière vous. Vous nous raconterez votre reconstruction. Oui. Pour essayer de comprendre comment on peut sortir d'une violence qu'on a subie pendant plusieurs années et pour dire aussi que le chemin est dur. Quand je parle de reconstruction, elle est difficile et je crois que le mot est faible. Je vous propose tout de suite un extrait du reportage qu'on verra tout à l'heure en intégralité. Je ne veux pas me dire je vais accepter un corps qui a été meurtri. J'ai pas envie. Moi, j'ai envie d'être comme les autres femmes, qu'il m'aime aussi pour l'attrait physique que je peux avoir. Nom d'un chien, j'ai envie de ça. J'ai pas envie qu'il m'aime parce que j'ai de l'humour. Certes, je suis arrivée à 40 ans, mais j'ai envie de l'épater aussi, après tout. J'ai envie de jouer à ça. Je l'ai pas eu. Ben, vous avez envie tout simplement d'être une femme normale, équilibrée. Oui, monsieur. C'est tout. C'est tout. J'ai envie d'avoir une vie de femme, ouais. Latra Guenifa, bonsoir madame. Bonsoir. Ça va ? Ça va. Ça va.
Latra, vous êtes sortie seulement depuis un an de 14 années de coups. Oui. Ça a commencé un jour parce que vous regardiez la télé. Oui. Pour dire que tous les prétextes étaient bons. Vous nous raconterez votre vie coupée du monde, la violence bien sûr, mais aussi votre vie cloîtrée. On va regarder un extrait du reportage qu'on a été tourné chez vous. Vous habitez à Absheim, en Alsace. Ce bruit, on l'entendait tous les soirs, tous les jours, et de différentes manières. C'était comme un baromètre. Suivant la manière qu'il l'ouvrait et qu'il le fermait, on savait son humeur. Et on attendait. On savait ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ben, si la porte était fermée normalement, ça veut dire qu'il était bien. Donc, on continuait à vivre normalement. Mais si la porte était fermée violemment, ça voulait dire qu'il était de mauvaise humeur. Et alors, les enfants se planquaient déjà au lit, même en pleine journée, ils se cachaient. Pendant 14 ans, Latra a subi des violences conjugales, des violences dont ses enfants ont été les témoins. Aujourd'hui, Latra est divorcée, mais les souvenirs restent très présents. Une fois, ils m'ont vu. J'ai eu une commotion cérébrale quand j'étais arrangée. Et il m'a frappée devant eux. Alors automatiquement, ça les a traumatisés. Et plusieurs fois, il m'a frappée devant eux. Et donc la commotion cérébrale, c'est que j'étais inconsciente. Enfin, d'après ce que j'ai su, parce que moi, là-dedans, j'ai perdu quand même 15 jours. Je ne me rappelle de rien, quoi. Et les gamins, ils ont eu peur. Il y avait Jafar qui avait 2 ans à l'époque et Nabil 5 ans. En fait, tous vos enfants sont derrière vous. Oui. Et commencent, à digérer cette histoire. Mais quand vous reparlez de tout ce qui se passe, de la porte du parking, par exemple, qu'est-ce que vous ressentez? Vous donnez l'impression d'en parler avec du recul aujourd'hui? Oui, avec du recul, mais j'aime pas. Vous savez, cette porte, parfois, j'ai l'impression de l'entendre, alors qu'il n'est plus là. Moi, c'était la voiture, la manière dont il la garait devant la maison. On savait, et si ça arrêtait trop brusquement, il fallait très très vite sortir. Mehdi, mon plus grand, enfin, le savait. Dès qu'il entendait les freins, enfin, il avait vraiment l'habitude. À partir de quel âge il le savait, vous pensez? 2 ans et demi. Anne, bonsoir. Bonsoir. Nous allons commencer cette émission avec vous. Vous venez de quitter très récemment l'homme qui vous frappait. Il y a à peine 2 mois, vous avez eu le courage de partir, parce qu'il faut du courage pour partir. On va voir dans un instant comment vous vivez aujourd'hui avec votre fille, qui est toute petite, dans un centre d'hébergement pour femmes victimes, précisément de violences conjugales. Ouais. Une question peut-être avant de voir ce reportage. Dans quelles conditions vous a-t-il frappé la première fois? Bien, dans une soirée. Juste une soirée avec des amis. Bon, moi, j'ai trouvé qu'il avait une conduite pas normale avec une autre femme. J'ai fait une réflexion. J'en ai mangé une. J'ai pris une claque. C'était la première fois. C'est passé donc en public. Oui. Il y avait combien de personnes autour de vous ce soir-là? 5 ou 6. Des personnes que vous connaissiez? De son entourage à lui. Ouais. Il y a eu des réactions? Non. Ça a aucune réaction? Non. C'est que la conversation a continué comme si c'était rien passé ou... Non, parce que moi, je suis sortie. Je n'ai pas l'intention de rester. Je suis sortie. Et puis, lui, il est sorti aussi. Il m'a fait re-rentrer, me rasseoir à table. Et puis, voilà. Le fait que personne ne soit interposé, ça vous a surpris ou pas? Oui. Pas spécialement. Parce que je pense qu'ils n'ont pas réagi, parce qu'eux le connaissaient. Ils savaient qu'il était violent? Probablement. Et je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas réagi. C'est peut-être ou alors, ils connaissaient, ils n'ont pas voulu s'interposer, justement. Vous avez peur aussi d'en manger une, comme vous disiez? Peut-être, oui. Jusqu'où sa violence à votre égard est-elle allée? L'hôpital. Nez cassé, les yeux au beurre noir, tout le temps. Des hématomes partout. Les doigts dans les yeux aussi, pour pas que je regarde. Donc j'avais les yeux tellement gonflés que je ne pouvais plus voir. Pour pas que vous regardiez quoi? Autour de moi, ça le dérangeait. Pour lui, j'étais en train de regarder les hommes, je regardais... Et tout ça est donc fini aujourd'hui, Anne. Oui. Vous vivez avec votre fille donc, de 11 mois, une toute petite fille dans ce centre. Mais vous n'êtes pas complètement sereine pour autant. Il y a les souvenirs, il y a les mauvais souvenirs. Et puis aussi, il y a la peur qu'il vous retrouve. Oui. On a donc tué le centre dans lequel vous vous trouvez. Il ne sait pas où vous habitez aujourd'hui. C'est un reportage de Caroline Coldéfi et de Pascal Caron pour démarrer cette émission. Il fallait que je m'en aille vite, donc j'ai pris quelques affaires et puis je me suis cachée
pendant 2 mois en attendant d'avoir une place ici. Donc j'ai réfléchi pendant 2 semaines parce que j'avais pas... Franchement, j'avais pas envie de m'en aller. J'avais pas envie de m'enfuir. Et puis, mais au bout de 2 semaines, de toute façon, il n'y avait pas 36 solutions. Il était trop dangereux, il est venu me menacer, il a proféré des menaces sur la petite, donc il a bien fallu que je fasse quelque chose. Depuis 2 mois et demi, Anne vit ici avec sa fille dans un centre pour femmes victimes de violences conjugales. Persécutée par son ancien compagnon, elle s'est enfuie de son département de peur qu'il ne la retrouve. Pendant 2 ans, Anne a subi des violences quotidiennes. Quel prétexte il prenait pour entrer en conflit avec vous? Tout. Soit sur des petits détails, mais des détails qui sont insignifiants. Hein. Insignifiants, ça veut rien dire. Ça peut être... ça pouvait être sur le ménage, ça pouvait être... n'importe quoi. N'importe quoi. Dans ces cas-là, de toute façon, tout est bon. Alors. Si je répondais, ça l'enrageait. Et comme je me taisais pas, et ben après c'est les coups qui tombent. Voilà. Eux, c'est la seule réponse qu'ils savent donner. Et lui, c'était tout ce qu'il savait faire. Voilà. Ça commence par une gifle, et puis après, je vais. T'as qu'à pas m'énerver. Tu m'aurais pas énervé, ça serait pas arrivé. Au départ, on se dit que ça peut peut-être arriver. Bon, il était énervé, il était contrarié, c'est arrivé. Bon. On peut passer une fois. Seulement, quand on passe une fois, eh ben, on lui ouvre la porte pour recommencer. La seule chose qu'on se dit, c'est que déjà, on se dit ici, il me retrouvera pas. Déjà, la principale chose. De toute façon, on pense à ça tous les jours. Hein. Tous les jours, on se dit pourvu qu'il ne retrouve pas la trace. Oh, ma petite... oh bah, il m'a fait un petit bouton, lui, là-bas. Oh, j'ai dit remarquable rangement à Vincent. J'adore. C'est pas Vincent, je te remarquais, c'est ta fille, ça. Depuis qu'elle est dans le centre, Anne retrouve une vie sociale. Elle s'est même fait des copines, elle qui était restée isolée pendant des mois. Personne d'autre veut du café? Je sais pas, moi, j'ai même pas compté combien il y avait de café. Moi, j'ai mis au hasard. Moi, j'ai été habituée pendant longtemps à être toute seule. Pendant 2 ans, à plus voir personne. Même pas ni amis, ni famille, ni proches, ni rien. Rien, rien du tout. Toujours la crainte de même pas oser ouvrir une fenêtre. S'il arrivait au même moment et qu'il me voyait à la fenêtre, là, c'était tout de suite la bagarre. Poser la question, qu'est-ce que je faisais à la fenêtre? Je mate. Il pouvait même aller jusqu'à vérifier... les endroits où j'étais allée pour être bien sûr que j'y étais bien allée. Moi, j'ai vu lui fournir, même une fois, je me suis absentée, j'ai vu lui fournir le... Il avait fallu que j'aille, je sais plus... Ah oui, à la CAF. Parce qu'il avait vraiment fallu que j'aille à la CAF. Eh bien, il a fallu que je... J'ai pris quand même les devants, où j'ai pris le ticket de la CAF, où il y avait l'heure, et le nombre de personnes qui avaient en attente quand je suis arrivée, avec l'heure de mon arrivée, pour qu'il fasse... Il a fait le calcul, hein. Ah ouais, non... Tout est calculé, tout est minuté. On peut rien faire, quoi. De toute façon, à la fin, on n'a pas envie. Hein. Sortir, pourquoi faire? Si c'est pour avoir encore une scène en rentrant, c'est pas la peine. Il y aurait de quoi hurler, mais je pleure pas. J'ai pas envie. Je préfère plaisanter. Une fois par semaine, des groupes de parole sont organisés par les thérapeutes du centre. On y parle souvent des enfants. Un enfant, même un bébé, sait ce qui se passe dans la maison. Et puis ça ne se passe jamais en silence, enfin je veux dire, il y a forcément des bruits, il y a forcément des paroles, et l'enfant perçoit tout ça. C'est vrai que je ne savais pas qu'il le ressentait, pourtant j'ai essayé de me cacher, quoi, je veux dire, d'avoir toujours le sourire, alors que je savais qu'au fond de moi ça n'allait pas. Évidemment, quand elle entendait crier, bon, si elle était en train de dormir, ça la réveillait en sursaut. Quand elle était réveillée, par contre, si elle entendait des cris, elle se mettait à hurler aussi. Mais bon, c'était un petit bébé, donc elle n'avait pas trop des réactions comme d'autres enfants peuvent avoir.
Bon, il faut dire aussi qu'il m'a bousculé avec elle dans les bras, hein, donc automatiquement, je sais pas, elle a dû ressentir... La peur que moi j'ai ressentie, elle a certainement dû la sentir aussi. Hein. Nous, un jour, on a accueilli une jeune femme qui avait eu... Elle était en train d'allaiter son enfant au sein, donc elle avait le bébé dans les bras et le mari s'acharnait sur elle. Hein. Donc il lui a cassé le nez et puis le traumatisme de cette femme, c'était pas d'avoir mal, c'était pas d'avoir encore subi des violences, c'était d'avoir vu son bébé recouvert de son sang. En plus, ils ont le non, mais ils ont en plus le toupet de dire que l'enfant serait mieux avec eux qu'avec nous, parce que nous on est dingue. Ah oui, mais nous on est vraiment bonnes pour l'asile, quoi. Ah mais moi il me l'a dit de toute façon. Il m'a dit de toute façon, ma fille, elle serait bien plus heureuse avec moi. Avant de trouver un appartement, les femmes restent plusieurs mois dans le centre. Une fois parties, elles y reviennent souvent. Surtout pour donner de l'espoir à celles qui arrivent, c'est le cas de Patricia. Victime pendant un an de violences conjugales, elle a finalement réussi à partir. Mais pour elle, l'arrivée au centre s'est terminée en drame. Le matin de ma première conciliation, je me suis présentée au tribunal, lui aussi. Et ça a mal tourné. Il a refait son cirque. Il m'a ordonné de rentrer à la maison. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai réussi à lui répondre non. Et le soir même, j'étais avec Eliane, du centre. Et à la fin, on est descendu et on est sorti du bureau. Et je l'ai vu. Il était venu armé. Armé, donc dans l'intention de me tuer, moi et les enfants. Et Eliane a appelé la police. Et en voyant la voiture... de la police, il a eu peur, il a retourné l'arme contre lui. L'histoire commence toujours de la même manière. Puis à la fin, ça se termine pas toujours de la même façon, heureusement, mais de toute façon, toujours avec des menaces. Toujours pour nous empêcher de partir, ou alors, si on part, pour nous faire revenir. Moi, les menaces de mort, je les ai eues aussi. Ils nous rongent, hein, ils nous rongent la vie, ils nous rongent l'existence jusqu'au bout. Ils attendent qu'on craque, je crois. Alors on craque ou on craque pas, hein. Il y en a malheureusement qui craquent, hein. On sait de quelle façon. Moi, j'ai pas craqué. Oui, j'ai craqué, oui. Mais j'ai pris la fuite. C'est tout. Ce que je me dis aujourd'hui, c'est que heureusement que je suis partie. Parce que aujourd'hui, j'ai le droit de vivre. Hein. Et que je m'aperçois que ça vaut le coup. Surtout ça. Elle s'en sort bien. Attends. Maison, travail, indépendance, tout. Voilà. Et puis elle a pas l'air mal, hein. Pas du tout. Pas du tout. Nous, on en est encore qu'au début, hein. La force de caractère aussi. Toi, ça fait combien de temps maintenant que t'es plus ici? Moi, je suis partie il y a 6 mois. Eh ben, regarde. T'as vu, en 6 mois? En 6 mois. Impeccable, hein. Vivement que j'en sois à ça. Ce qui est dur à comprendre, c'est... Vous souriez, pourquoi vous souriez? Non, parce que je garde le sourire. Ouais. Pourquoi êtes-vous restée avant cela, à votre avis? C'est toujours difficile à expliquer, mais bon, c'est ce que je dis. Après la première claque, on se dit... il était énervé, il était... Bon, on passe. Mais quand survient la deuxième, là, il est trop tard. Il est trop tard. Alors, outre les raisons matérielles qui doivent parfois obliger une femme à rester parce qu'elle ne sait pas où aller, autrement, quelles sont les autres raisons, à votre avis, mesdames, qui font qu'on reste malgré les coups? Atra? On a l'espoir qu'il va changer. Vous savez, il faut toujours culpabiliser. S'il vous a frappé, c'est de votre faute. Moi, il arrivait toujours à me persuader que c'était de ma faute. Et puis après, Je dis qu'ils y arrivent très bien, parce que oui. Si effectivement on est amené à rester, c'est parce qu'il y a une culpabilité qui est plus forte que tout. Et qui va même jusqu'à... Enfin, moi, je l'excusais, je me disais que c'était effectivement souvent de ma faute, ouais. Que j'avais la majorité des torts, même, parfois. Par exemple, qu'est-ce que vous pouviez reconnaître comme étant un de vos torts, alors qu'objectivement, ça n'était pas... Je crois que lui, il avait une acuité terrible, en fait, sur mes faiblesses. Donc, je dirais d'une faiblesse, style je rangeais pas bien mes affaires, j'étais devenue quelqu'un de bordélique, quelqu'un de très sale. Et finalement, on se dit que oui, le fait de pas très bien être ordonné, finalement, ça c'est vrai. Ils partent généralement de quelque chose qui est vrai,
Donc après, c'est tellement bien monté, tellement bien ficelé que ça devient la vérité, quoi. Qui est amplifié, quoi. Qui est amplifié, amplifié, sûr, amplifié, hein, pour vous obséder. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a donné le courage de partir, vous? Moi, j'ai été menacée de mort 3 mois avant mon départ. Et comme j'avais une fille en bas âge, il y a un moment, bon, un jour, il m'a séquestrée dans l'appartement. Et j'ai eu la possibilité de vite rebrancher le fil du téléphone qu'il avait débranché. J'ai tout de suite appelé mes parents et j'ai tout craché. Qu'est-ce que vous trouviez, Anne, comme explication au fait qu'il vous cognait? Vous avez entendu Hélène? Oui. Est-ce que vous trouviez des explications objectives au fait qu'il vous frappait? Non. Non. J'ai pas envie de lui donner d'explications et surtout pas d'excuses. Alors je repose la question, pourquoi vous êtes restée? La peur. Au départ, on passe pour une claque et après, c'est vrai qu'après la deuxième, ils arrivent à nous installer dans la terreur et on reste. Moi, je pense aussi que pourquoi on reste, c'est qu'au départ, quand l'histoire d'amour a commencé, parce que ça commence quand même toujours par une histoire d'amour, en fait, ils ne sont pas violents, ils se montrent amoureux, gentils, etc. Et alors, quand la violence survient, on est complètement désemparé, d'une part, et puis très étonné. Et on se dit, mais peut-être que c'est un mauvais passage. Et puis, peut-être qu'il va revenir à une attitude normale. Et puis, il y a une autre excuse que l'on trouve aussi souvent, enfin, que j'ai trouvée, moi, et que d'autres femmes trouvent, c'est que lui-même a été battu quand il était enfant. Et lui-même a vu son père battre copieusement sa mère, toujours. Et la mère est toujours restée. Moi, je sais qu'après, ça a été ma hantise pendant des années. Est-ce que mon fils n'allait pas reproduire ce que son père avait reproduit de son propre père? Mais on parlera des enfants, parce que vous êtes toutes ou presque concernées par les enfants. Ici, Anne, un mot, vous êtes dans un centre maintenant, donc vous vivez avec ces femmes qui ont connu, comme toutes celles qui sont à côté de vous sur ce plateau, des violences conjugales. Ouais. Est-ce que le fait d'en parler avec des personnes qui comprennent vraiment ce que vous avez vécu, c'est très différent d'en parler avec des personnes comme moi qui ignorent ce type de comportement? Mais c'est plus facile. C'est plus facile de parler avec quelqu'un qui sait exactement ce qu'on a ressenti, exactement comment on a vécu et comment ça se passe, comment on en arrive là. Vous avez trouvé des facteurs similaires, enfin des situations vraiment comparables? Oui. Très, très proches l'une de très l'autre? Très proches, oui. Oui, oui. Quoi? Déjà l'humiliation, déjà on commence par l'humiliation, on commence par des petits détails. L'humiliation, t'es bonne à rien, tu sais rien foutre. C'est l'humiliation, on nous rabaisse, ils nous rabaissent à longueur de temps, à longueur de journée. Est-ce qu'il prenait du plaisir à vous frapper, vous pensez? Qui a répondu rien, oui? Je sais pas. Oui, Hélène? J'ai dit oui. J'ai dit oui parce que je crois que tous ces hommes qui battent leurs femmes et qui battent leurs enfants ont un petit fond de sadisme. C'est pas possible autrement. Ils n'ont pas la même conception de l'amour que, non, que les autres. Oui, c'est surtout ça. Oui. Ils sont capables après de se réconcilier, de vouloir se réconcilier. Enfin, moi, j'avais tout le temps le sentiment, après qu'il m'ait frappé ou qu'il m'ait harcelé, etc., je compare souvent ça, en fait, je trouvais l'état de quelqu'un après qui fait l'amour. Et je sentais en lui la béatitude, le bien-être, l'état d'après la jouissance, quoi. Et généralement, il s'endormait. Il m'avait frappé et après, il était capable de s'endormir tranquillement. C'était défoulé, quoi. Oui, c'était défoulé. Ouais. Nicole, vous avez vécu 8 ans, vous, avec un mari violent, que vous avez fini par quitter. Quel était le déclic qui vous a donné la force de partir après 8 ans? Le déclic, ça a été qu'il a... Il allait battre ma fille. Je me suis mariée en 73 et au bout de 3 mois, il a commencé à être très violent. Par rapport à des sorties nocturnes avec des... Il s'est mis à boire, enfin il buvait sûrement avant, je m'en suis sûrement pas rendu compte, je pense. C'était là ma faute. Et bon, ça a été des violences vraiment extrêmes. Puis, ça qui vous frappait lorsqu'il buvait, mais quand il ne buvait pas, par exemple? Ben, quand il y avait la période où il m'avait frappé, et il y avait le grand pardon qui existait juste après, alors... Il était capable d'aller m'acheter un bijou et de dépenser de l'argent ou de m'emmener au restaurant en me disant qu'il m'aimait, qu'il fallait que je lui pardonne. Et bon, je le croyais au début, quoi. C'est-à-dire que lorsqu'il ne buvait pas, il ne s'énervait jamais, quoi? Non. Non.
Et puis après, il me faisait évidemment passer comme beaucoup de, encore de personnes ici, pour folle. Donc c'était moi qui étais folle, c'était moi qui le provoquais. Ils sont tous pareils. Et il m'a emmené des fois à la porte vraiment de... Et quand ils emmenaient au restaurant, ils s'occupaient de vous, ils essayaient de se faire pardonner, donc c'est violent. Oui, mais ça durait deux jours, quoi. Ah, c'est fait, ça. Mais pendant ces moments-là, pendant ces deux jours, par exemple, est-ce qu'il y avait un semblant de bonheur dans votre vie? Ben non, parce qu'au début, oui, puis après, non, parce que je savais tout automatiquement que ça durait pas longtemps, que ça allait recommencer, quoi. Mais le fait est, c'est que moi, j'ai pas été battue. Ma mère a été battue, mais tout ce que j'entends là, c'est le même processus et je l'ai vécu enfant. On le vit de la même façon. On sait exactement que si elle a 2 minutes de retard, il va se passer ça et ça et ça. Et on vit pareil. Je veux dire, on est la femme de nos pères, voilà. Moi, en l'occurrence, j'ai vécu comme ça, Serge. Et après qu'il ait frappé, après avoir violenté votre maman, comment il se comportait? Il pleurait. Il disait, je comprends pas, je sais pas. Il faut me pardonner, je vous aime tous. C'était lié à l'alcool aussi? Pas du tout, pas du tout. Moi, je pense que mon père devait être quelqu'un d'un peu fou, je sais pas. Je crois qu'il avait une conception de l'amour un peu spécifique aussi à lui. C'est-à-dire que l'amour devait passer par là. C'est-à-dire, il aimait ma mère comme ça. Et elle devait comprendre cet amour-là. Jacqueline ? J'ai 5 enfants et il battait 2 des enfants. Jamais les autres. Pourquoi ? Mais je ne sais pas, justement. Et moi, il y a eu une gradation la première fois qu'il m'a frappée. Nous venions de nous rendre compte que notre 3e fille, Sophie, était sourde très gravement. Et moi, j'ai demandé, mais puisque je ne savais pas qu'il y avait des sourds dans ta famille, je l'apprends maintenant, vous auriez quand même pu me le dire. Et je me suis ramassée une claque, en plus c'était sur l'oreille, ça m'a envoyée dans l'escalier, et j'étais sourde sur le moment. Et ça a été terrible. Et après, je me suis dit oui, mais je l'avais énervé en lui reprochant d'avoir des sourds dans sa famille. C'est pas sa faute. Et puis ensuite, je sais pas, il s'est mis à devenir de plus en plus violent. Il s'est acheté un fusil. Il allait à la chasse. Il tuait des bêtes qui ne lui avaient rien fait. Enfin bon. C'est un autre débat. C'est une autre discussion. Hein. Non, mais c'était lié. Hein. Oui. C'est en même temps. En même temps. Ah oui, d'accord. Et bon, bah, il frappait ces 2 enfants-là sur les 5 et moi. Bon, et depuis, il n'a jamais manifesté de remords, ni sur le moment. Il était sûr d'avoir raison. Oui, il y a une question que je voudrais poser à Anne. Elle est menacée, manifestement. Elle vit littéralement dans la clandestinité. Est-ce que la police, les forces de l'ordre font quelque chose pour qu'elle puisse vivre en sécurité, pour arrêter cet homme qui la menace? Il y a un ancien commissaire qui viendra nous parler tout à l'heure, ainsi qu'une femme qui travaille dans un commissariat. Moi, je suis allée au commissariat, j'ai déposé une plainte, et ben, ne sachant que faire de moi, on m'a mis dans le fourgon et on m'a redéposé devant chez moi. Alors que je leur ai dit qu'il allait revenir, que dès qu'il le libérerait, il reviendrait, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ils nous disent de partir. Je voudrais qu'on fasse peut-être pas une différence, mais qu'on essaie de comprendre ce qu'est la violence physique par rapport à la violence morale. Souvent, elle s'additionne, mais parfois, il n'y a pas de violence physique quand il y a de la violence morale. Votre premier compagnon vous a donc frappé pendant 8 ans. Aujourd'hui, actuellement, vous vivez avec un homme qui vous martyrise depuis une vingtaine d'années, oui, c'est psychologiquement. Oui, ça c'est beaucoup... Vous êtes toujours avec lui aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce que c'est que la violence psychologique? La violence psychologique, c'est un rabaissement... total de la personne, c'est-à-dire c'est dur à dire, t'es une merde, t'es rien, t'es bonne à rien, et c'est vrai que les mots sont durs, sont violents, et c'est perpétuel, c'est tous les jours, et c'est... Depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Comment vous êtes passé de votre premier mari à la vie commune avec la vie commune avec ce compagnon qui dure depuis 20 ans maintenant? Ben, ça dure depuis 20 ans parce que... Quand vous êtes passé de l'un à l'autre, déjà? De l'un à l'autre, ouais. Ben, c'est lui qui a été mon... que j'ai rencontré, pour qui m'a aidé à partir. Il m'a aidé à partir avec En vous disant, mon mari. Ça ne peut plus durer, voilà. Viens avec moi, tu seras protégé, voilà. Etc. Voilà. Et il a commencé à devenir violent, enfin je veux dire, verbalement, psychologiquement, au bout de combien de temps? 4-5 ans. Ouais. Vous avez l'impression d'être responsable, parfois? Je parle de la pression, je ne parle pas de la réalité. Oui, parce que si vous voulez, j'ai l'impression que c'est répété et que je l'ai, ben, comme je disais
à la journaliste, c'est vrai que j'ai l'impression de les trouver. Vous allez dire de les chercher. Vous allez dire de les chercher, oui, enfin c'est de les trouver. Comment on peut arriver à penser à une chose pareille? Parce que je pense que je suis rien du tout. Je suis pas capable de trouver quelqu'un de bien. Donc automatiquement, je tombe sur des gens comme ça. Et pourquoi vous êtes venue à ces discutes, nous en parler? Je me suis dit, il faut en parler, parce que moi, je peux pas en parler à ma famille, à personne. Pourquoi vous ne pouvez pas? Parce que personne ne... Non, c'est pas des choses qu'on dit dans ma famille. Faut pas qu'ils sachent. Quand vous entendez ces femmes qui sont parties, hein, je trouve qu'elles sont... Je me trouve nulle, je me trouve pas courageuse. Non, mais c'est vrai. Puis alors le problème, maintenant, j'ai un fils de 17 ans et demi, et le problème, c'est que je n'ai pas de... Il n'y a pas de foyer pour accueillir... pour partir dans l'urgence avec un enfant de 17 ans et demi, on n'a pas de... Ben non, moi, c'est les mères qui ont des enfants en bas âge. Moi, je voulais intervenir sur la notion de courage. Je crois qu'il ne faut pas se dire qu'on n'est pas, courageuse. Moi, je suis partie, je ne me sens pas courageuse. Je me sens courageuse peut-être maintenant pour essayer de me reconstruire. Mais à un moment donné, de toute façon, on est acculé. Et à partir du moment où on est acculé, on n'a plus de choix. Le choix, il est là. Et à ce moment-là, là, on peut dire qu'on est courageux. Mais quand on n'a plus de choix, on part. Et voilà, c'est... Comment ça se passe avec votre fils? Votre fils, lui, qui a vu donc toute cette vie, qui a donc été élevé dans ce climat de violence, ça fait de bruit, de casse, de fureur, d'engueulade. Mon fils est violent. Il est violent, quoi. Il est violent. J'en suis pas maître parce que j'ai peur. Oui, tout d'un coup, j'ai peur. Vous avez peur de votre fils et de votre mari? Oui. Mais il est vrai que le père ignore le fils, donc les repas le père ignore le fils, il s'en occupe pas depuis des années. Il ne lui parle pas, du tout. C'est un étranger. Et votre fils vous semble complètement dérangé, déstabilisé, enfin... Ben oui, c'est pas évident. Je pense qu'il serait tout seul avec moi. Je pense qu'il serait pas comme ça, quoi. On va demander à la déléguée nationale de la Fédération Solidarité Femmes de nous rejoindre, Viviane Monnier, s'il vous plaît, Viviane, sous les encouragements du 102. Donnez un peu de courage à nous tous. Bonsoir, bienvenue parmi nous. Merci, asseyez-vous au milieu, là-bas. Oui, je donnais des chiffres au début de cette émission en disant que les estimations des fédérations, la vôtre étant la plus importante, également d'autres associations qui existent pour essayer de défendre les femmes qui subissent des violences conjugales, ces violences qui sont sans doute les plus tues dans ce pays comme dans d'autres pays, évidemment. Vos chiffres à vous, en termes de réalité, j'annonçais 2 millions de femmes comme le Nouvel Obs derrière vous il y a quelque temps. Les chiffres exacts, on ne les connaît pas parce que c'est quelque chose qui n'est pas visible. L'Union européenne aujourd'hui parle d'une femme sur 5. Les études qui ont été faites au Canada aussi. Donc je crois que c'est quelque chose qui est très très important. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qu'on ignore, des femmes qu'on côtoie, qui cachent, qui disent rien, et des hommes violents aussi qui apparaissent, comme elle le disait, gentils, charmants, des anges, oui. Est-ce qu'il existe des hommes battus? Bien sûr, il en existe, mais c'est pas un phénomène de société. Et ce n'est pas tout à fait le même processus. Je crois que la différence... Enfin, c'est vrai qu'il peut y avoir des exceptions, mais en ce qui concerne les victimes, les femmes, il y a la mort qui est au bout du couloir, quelquefois. Enfin, on la sent présente tout le temps. La peur de mourir. Les hommes sont globalement plus forts physiquement que les femmes. C'est pour cette raison-là ou ça se passe dans la tête, vous pensez? Ça se passe surtout dans la tête aussi, parce qu'on a vu des femmes très costauds et des hommes... petits, frêles, battre et massacrer leurs femmes. Très costaud. Oui. Mais les hommes sont élevés dans l'idée, vous pensez, qu'on doit être fort, y compris physiquement, quoi. Oui, mais il y a ça, mais il y a aussi la femme est la chose, est sa chose, sa propriété. On a le droit d'en faire ce qu'on veut. Il n'y a pas si longtemps que ça, la femme n'avait pas le droit de travailler sans autorisation du mari. Il y avait la notion de chef de famille, il y avait... la femme n'avait pas le droit d'ouvrir un compte. Donc je crois qu'il y a tout ça qui est dans l'imaginaire. Ouais, qui est dans l'inconscient collectif, comme dans on dit. Dans l'inconscient collectif et qui est très, très présent. Et les textes ont évolué peu à peu. Hein. Je veux dire, je crois que les derniers textes, qui sont des textes qui punissent très fortement, la violence conjugale est maintenant une forme de violence, enfin, est un facteur aggravant, comme on dit légalement. Quand elle est faite par un conjoint ou un concubin, ouais, c'est ça. Oui.
Depuis la mise en place du nouveau code pénal en mars 1994, les violences faites par conjoint ou concubin sont effectivement aggravantes. Un conjoint qui est violent peut risquer jusqu'à 3 ans ou 5 ans d'emprisonnement. À partir de 8 jours d'incapacité de travail ou... Sans incapacité de travail, à partir du moment où la qualité de l'auteur est un conjoint ou un concubin. Mais c'est... D'abord, ce n'est pas marqué sur la tête de l'auteur de violence, homme violent. Hein. Je veux dire que c'est des gens plutôt gentils, charmants, adorables. Ce n'est pas la brute épaisse qui casse la gueule de tout le monde, ce n'est pas ça. Je veux dire que c'est quelqu'un qu'on ne repère pas. D'ailleurs, il n'est pas repéré par les collègues, il n'est pas repéré dans la vie sociale. C'est le président de l'association de quartier, c'est le chef d'entreprise qui est charmant, c'est tout ça. Je veux dire, c'est l'homme politique aussi. Je veux dire, c'est les gens, comme on disait, qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Je veux dire, qui sont Jacqueline, trop gentils. Quelle profession exerçait votre mari? Vous ne voulez pas le dire? Si, je veux bien le dire, mais moi je voulais même bien témoigner à visage découvert. Hein, mais bon, il était professeur d'université. La loi du silence, qu'elle soit du fait de la femme battue ou qu'elle soit du fait que l'entourage ne veuille pas le comprendre, pourquoi est-elle aussi répandue? Je crois qu'elle est répandue parce qu'on ne sait pas ce que c'est, qu'on n'imagine pas, qu'on se dit, quand on est une femme, moi je ne subirai pas ça, de toute façon, la première gifle, je pars. Et c'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'il y a tout un tas de petites choses qui détruisent. Et puis si une gifle arrive, il y a la peur qui s'est installée. Et puis on croit que c'est un accident, on croit que les choses vont s'arranger. Enfin, elles l'ont toutes dit, hein. Je crois que c'est ça. Et puis ça se passe derrière les murs, derrière les fenêtres de la maison. Personne ne le sait, il n'y a pas de preuves. Et c'est difficile parce que... Puis on a honte de le dire. On a honte, c'est, oui. C'est triste, mais c'est la femme battue qui a honte. Hélène ? Alors c'est épouvantable. Vous en parliez à vos proches ? Quelqu'un savait autour de vous ? Quelqu'un ou ma belle-famille était au courant. C'est-à-dire la famille de votre ex ? Voilà, je me faisais frapper chez eux. Et ils voyaient régulièrement mes bleus, mes morsures. Et puis ils disaient rien. Ils n'ont jamais rien dit. Et votre famille et ça, à vous ? Ah ben non, elle l'a su simplement au dernier moment. Ouais. Et ma belle-famille cautionnait tout. J'étais un peu la brebis sacrifiée. Je pense qu'ils savaient effectivement avant que je le rencontre qu'il était pas très normal, on dira. Et ils se sont dit, bah, super, ça va peut-être être ça, ça va peut-être être notre bouée de sauvetage, notre nouvel équilibre. Pourquoi dans sa famille aussi, il était violent? Enfin, je veux dire, avant de vous connaître, il frappait ses... Oui, il a eu des antécédents. Je pense que moi, je ne connais pas tout, mais déjà, il se mutilait. Il lui est arrivé de se mutiler. Il avait des traces de mutilation. D'automutilation aussi, voilà, c'est un type hyper violent en tous les sens. Quoi. Ouais, ouais. Et pourquoi vous n'en parliez pas à votre famille, à vous, Hélène? Parce que tout s'enchaîne, en fait. Moi, il m'a manipulée parce qu'il y a eu une histoire en plus qui s'est greffée là-dessus. Je crois qu'il me tenait par, justement, je parlais tout à l'heure de faiblesse. J'ai été violée à l'âge de 20 ans et j'en ai jamais parlé. Je l'ai rencontrée à 23. C'était vraiment la première personne qui m'écoutait, qui était agréable, charmant, etc. Donc je lui ai parlé de cette histoire de viol, il l'a écoutée, il s'en est servi, il s'est dit « Tiens, bah, je vais bien l'utiliser justement pour la manipuler. » Donc en fait, à partir de là, j'étais la malade. Comme j'avais été violée, j'avais certainement pas un comportement normal à l'égard d'autrui et notamment à l'égard des hommes. Donc c'était moi qui pourrissais les relations qu'on pouvait avoir dans le couple. Et après, comme il commençait un peu à déraper, parce que je pense qu'il n'était pas suffisamment intelligent pour mener sa perversion très bien, il a commencé à alerter ma famille. Et à partir de ce moment-là, il s'est dit, bah, il va falloir que je les manipule à leur tour. Et là, il en a parlé à mes parents et leur dire, bah, vous voyez, elle est malade, mais vous en faites pas, je vais m'occuper d'elle, mais il faut absolument qu'elle aille se faire soigner. Et effectivement, je suis allée voir des psychiatres, mais pour leur parler de mon viol qui datait à l'époque de pas mal d'années, et non pas des violences que je subissais au quotidien. Donc on était tous dans un état de faiblesse, mes parents étaient dans un état de faiblesse, aucune arme pour se battre face à ce viol dont ils n'avaient pas entendu parler, dont ils se culpabilisaient, et puis là il a manipulé tout le monde avec ça. Jusque dans le vent de juge, devant le tribunal correctionnel. Il a été condamné? Oui, enfin, disons que la juge, il m'a lavé la tête pendant un mois et à partir de là, il m'a dit que s'il me frappait, c'est parce que j'avais été violée. Donc il souffrait, qu'il avait une souffrance
incroyable. Et la juge a dit, bah, écoutez, oui, je connais effectivement des couples où la femme a été violée et où elle reporte son agressivité sur son conjoint. Monsieur, la justice saura vous pardonner 2000 francs d'amende avec sursis. Oui, c'est ça la réalité, hein. C'est malheureux, mais c'est justement, enfin, je crois que le problème aujourd'hui en France, mais il n'y a pas qu'en France, c'est à travers le monde, c'est que la justice ne joue pas son rôle. Et à travers cette non-présence de la justice ou son non-rappel à la loi, on a le seuil de tolérance de la société face à ça. Je veux dire que... On ne veut pas entendre. On ne veut pas entendre, on ne veut pas voir. On parlait de la loi du silence il y a un instant. Est-ce que vous avez parlé de votre martyr pendant ces 14 années à une personne ou à une autre? En premier lieu, à son ex-concubine. On va vous voir avec cette femme dans ce reportage qu'on a été tourné chez vous en Alsace. Aujourd'hui, ça fait un an maintenant que vous vivez dans le calme. Oh. Il faut se réhabituer dans le calme. Avec vos trois enfants qui sont derrière vous, qui sont charmants. Bienvenue parmi nous. Trois enfants donc dans la maison qui a été le cadre des violences que votre mari vous a infligées pendant longtemps. C'est un reportage de Cyril Chamalet et de Romain Jaboulet. Ce bruit, on l'entendait tous les soirs, tous les jours, et de différentes manières. C'était comme un baromètre. Suivant la manière qu'il l'ouvrait et qu'il le fermait, on savait son humeur. Et on attendait. On attendait et on savait ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ben, si la porte était fermée normalement, ça veut dire qu'il était bien. Donc, on continuait à vivre normalement. Mais si la porte était fermée violemment, ça voulait dire qu'il était de mauvaise humeur. Et alors les enfants se planquaient déjà au lit, même en pleine journée, ils se cachaient. Ça tellement ils avaient peur. Et c'est une fois rentré la porte de sa voiture aussi, il la claquait fort. Au-dessus, c'était de la même manière. Et il commençait à tout casser et ne nous disait pas pourquoi. Alors parfois, j'avais moi aussi tellement peur que je m'enfermais dans les pièces et qu'il cassait les portes pour venir derrière. C'est un homme, c'est quand il avait un problème à la boxe ou s'il avait un problème au sport ou autre, il ne disait jamais aux gens ce qu'il avait. C'était nous, c'était les enfants et moi. Et maintenant, on n'entend plus ce bruit. C'est un bruit normal et on a une vie normale. Pendant 14 ans, Latra a subi des violences conjugales. Après plusieurs plaintes au commissariat, elle a finalement obtenu le divorce il y a un an. Aujourd'hui, elle vit seule avec ses enfants, mais les souvenirs des violences passées restent encore très présents dans la famille. T'es inquiet quand tu laissais ta maman avec ton père Tu laissais à la maison, tu partais à l'école. Tu demandais si... Inquiet, enfin, c'était par période, quoi. Tous les trois mois, ça bardait, donc... Il se demandait toujours si je, quand il revenait de l'école, quand ça allait mal, si j'allais revenir, s'il me trouverait vivante, quoi. Et du fait que lui, comme il était fort, hein, c'est quand même un ancien boxeur, puis il n'a que du muscle, c'est un entraîneur de boxe. Et puis donc, une fois, ils m'ont vu. J'ai eu une commotion cérébrale, quoi. J'étais arrangée. Et il m'a frappée devant eux. Alors, automatiquement, ça les a traumatisés. Puis plusieurs fois, il m'a frappée devant eux. Et donc, la commotion cérébrale, c'est que j'étais inconsciente. Enfin, d'après ce que j'ai su, parce que moi, là-dedans, j'ai perdu quand même 15 jours. Je ne me rappelle de rien, quoi. Et les gamins, ils ont eu peur. Il y avait Jafar qui avait 2 ans à l'époque et Nabil 5 ans. Paraît-il que je criais, l'ambulance est venue me chercher. Et j'avais l'oreille, ça saignait. Et eux, ils ont dit, maman, elle est morte. Et puis il y avait une dame qui les avait pris d'ailleurs. Et Nabil lui a dit, mon père a tué ma mère. Là, j'avais vu mon père ou ma mère en train de s'engueuler. Puis ils étaient partis dans la chambre. Ah, puis il avait pris la tête de ma mère, il l'avait cogné contre le lit, et puis je sais pas, après, ça m'énervait de voir ça, je suis parti. T'en parlais à quelqu'un à l'école ou... 5 ans, j'étais quoi, en primaire ou en maternelle? Non, c'était en maternelle. Ouais, je parlais beaucoup en maternelle. Maternelle, j'avais beaucoup de facilité à dire, quoi, mais bon. Après, non. Après, je disais plus rien à partir de la primaire, j'ai plus rien dit. Pourquoi? Même le collège. Je sais pas. C'est moi qui t'ai dit de rien dire? Parce que, tout simplement, il parlait quand son père me frappait. Moi, j'ai jamais voulu montrer, d'ailleurs. Moi, j'allais à l'école, je me maquillais, je m'habillais, je cachais avec du fond de teint. C'était...
Je ne voulais pas qu'on sache, c'est tout. Et donc, la maîtresse, une fois, m'avait appelée. Et elle m'a dit, écoutez, Madame Guénifa, si vous avez besoin d'aide, on est là. Mais moi, j'ai besoin d'aide. J'ai pas besoin d'aide. Elle me dit, écoutez, Nabil a parlé. Donc, le coup de la commotion, il l'a raconté à l'école. Et quand il me frappait, son père, elle m'a dit combien de fois il venait, disait, mais maman, elle est morte. Elle est partie dans la cuisine. Et moi, j'ai nié. J'ai dit que c'était pas vrai. Latra, le voisinage est au courant de ce qui se passait chez vous? Il s'en doutait. Il s'en doutait parce que, tout simplement, la camionnette des gendarmes était souvent près de chez moi. Et puis souvent, je pleurais d'ailleurs. Combien de fois je me suis enfuie de la maison pour aller à la cabine téléphonique pour prévenir les gendarmes. Et puis je suis déjà allée chez des voisins. Ils ont appelé les gendarmes en pleine nuit parce que mon ex-mari m'avait mis dehors. Alors donc, ils s'en doutaient, mais on ne m'a jamais rien dit, quoi. Ils n'en parlaient pas devant moi. Tu vois que ton père, il a essayé de t'entraîner dans la violence contre ta mère? Entraîner dans la violence, non. Non, si, à la contredire, en fait. À pas l'écouter. Il demandait de la surveiller, en fait. Bon, dès qu'elle sortait, en fait, fallait que j'appelle à son boulot. Non, je l'ai jamais fait. Et puis, depuis là, ben là, tu me l'avais demandé. Là, ils m'en voulaient, ce que j'avais jamais fait. Puis à chaque bêtise, c'était... ils voulaient à tout prix que ce soit moi qui ai fait la bêtise, même si c'était pas moi. Comme ça... Mais qu'est-ce qu'il te disait concrètement quand il avait tapé, frappé ta mère? Il te disait quelque chose? Il t'en parlait ou pas? Non. Ouais, il me disait qu'elle l'avait cherché, soi-disant qu'elle l'avait provoqué, en fait. C'était pas vrai, quoi. Elle avait rien fait. Juste pour des petites bêtises, il commence. Et toi, tu répondais quoi? Bon, moi, je dis... Je répondais rien, en fait. Je l'écoutais, c'est tout. Je lui disais oui, oui. Dans la tête, non. Salut. Salut. Aujourd'hui, Latra voit régulièrement Caroline, l'ex-compagne de son ancien mari, une femme qui l'a souvent aidée dans les moments les plus difficiles. Ce matin, il a gelé, hein. Ouais, j'ai vu, c'était il a gelé. Ce matin. Mon mari avait changé de comportement. C'était plus le même homme que j'avais connu. Donc je me demandais s'il regrettait pas. Parce que lorsque je l'ai connu, il vivait avec Caroline. Alors je me suis dit, peut-être qu'elle lui manque, qu'il regrette de s'être marié avec moi, parce que c'était pas logique. L'homme merveilleux que j'ai connu, puis d'un seul coup, il devient violent, il devient agressif. Alors j'ai voulu la connaître, pour savoir si ça venait de moi ou si ça venait de lui. Alors, comme il lui avait posé des problèmes, j'ai trouvé son nom et je l'ai appelé. Bien sûr, j'ai trouvé un prétexte, comme il avait gardé pas mal d'affaires à elle. Alors, je lui ai dit de venir les chercher. Elle est venue, on s'est connus, et puis, mais je ne lui ai rien dit. Hein. Je ne t'ai pas dit ce qui se passait chez moi. Et c'est toi qui m'as parlé mais de bon, lui. Je m'en doutais un peu, parce que je me suis dit, si tu veux me connaître, c'est qu'il y a quelque chose. Hein. Même si tu t'as donné l'excuse des affaires... T'as compris. Je me suis dit, il va pas changer comme ça, aussi vite, quoi, tu vois. Et j'ai appris, bon, quand il t'avait frappé. Mmh. Et après, t'as cherché plus loin, quoi. Ouais. Je sais pas comment elle a fait pour tenir 14 ans. Moi, j'ai tenu 3 ans et j'ai déjà trouvé que c'était long. Bon, cette période est complètement oubliée, mais j'arrive encore à en avoir des cauchemars. J'ai dit à ma mère, tu sais, s'il m'arrive encore une fois ce que j'ai vécu, le prochain, je le tue. Beaucoup, fallait en parler beaucoup. Et puis, elle me dit tout le temps, moi, je ne laisserai jamais un homme me frapper. Mon fiancé ne me frappera jamais. Et puis, elle me disait tout le temps, pourquoi papa te tapait? Mais elle me dit, moi, je prendrai un fiancé qui ne me tapera pas. Et je pense que ça la marquera quand même. Ça la marquera. Et moi, je fais en sorte
J'essaie de le faire oublier. D'ailleurs, on mène une autre vie. On a des amis, on sort. Elles ont des amis qui viennent à la maison. On fait beaucoup d'activités, on sort beaucoup. Et on est parti en vacances, on va repartir, on sort pour essayer d'oublier tout ça, quoi. Et puis, je fréquente des amis qui sont mariés. Et comme ça, elles voient qu'il n'y a pas que la violence, que les hommes, ce n'est pas seulement la violence. Que les papas aussi peuvent être gentils. Et parfois, elle me réclame. Elle me dit, maman, pourquoi je voudrais un papa gentil? Marie-toi, je veux un papa gentil. Et moi, je veux pas. Pourquoi vous voulez pas? Pas maintenant. Un jour. Un jour, mais c'est... Comment vous dire? Il m'a fait trop de mal, cet homme. Et puis, il faut que je redevienne, moi. Parce qu'il m'a tellement dit comment il fallait se comporter, comment il fallait parler, comment... Alors, quand je parle avec les gens, des fois, je me demande si je fais bien ou mal. Alors, il faut que je me retrouve. Il faut déjà que je redevienne moi-même. Voilà, reportage de Romain et de Cyril Chamalet. Je disais au début de l'émission, les premiers coups sont arrivés alors que vous regardiez la télévision. Oui. Comment sont-ils arrivés? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Il est parti, il m'a laissé toute la journée toute seule. On s'est mariés en juillet, c'était en septembre. Puis moi, bon, à une heure, j'ai voulu allumer la télé, bien sûr. Et j'allume, il y avait de la neige. Bon, alors je me suis dit, j'ai regardé derrière, l'antenne était par terre. Moi, dans ma tête, elle est tombée. Et je ne sais pas, moi, j'aurais jamais imaginé qu'il l'avait enlevée, quoi. Donc, moi, j'ai remis l'antenne, et puis voilà, j'ai regardé la télé. Il est rentré le soir à 7 heures. Alors, il est grand, vous savez. Hein, moi, alors, il vient, il me dit, qui t'a autorisé d'allumer la télé? Je dis, j'ai le droit. Allez, vlan, clac, une raclée. Et j'étais par terre. Alors, je me suis enfuie. Je me suis enfuie, j'allais vers la chambre, je pleurais. Et là, il m'a tiré. Il m'a dit, excuse-moi. Excuse-moi, je ne l'ai pas fait exprès, mais tu sais, il ne fallait pas toucher. J'ai fait comme ça, il ne fallait pas toucher. Et j'ai dit non, j'ai le droit d'allumer la télé. Et le lendemain, je suis partie, pendant qu'il était au travail. Je suis partie chez mes parents. Je voulais que mon père lui parle, que mon père lui dise que... mon mari, je l'ai aimé. Pour ça que je me suis mariée avec. Et je voulais que mon père lui fasse la morale. Et mon père, non. Il lui a dit, ta femme, elle t'attend au tribunal. Donc moi, je suis retournée avec lui, quoi. On a vu dans le reportage que vous êtes entrée en contact, Latra, avec l'ex-compagne de votre mari, qui vous a fait comprendre à quel point votre situation était sans espoir. Hein. Je crois que c'est clair. Aujourd'hui, c'est encore plus clair que ça l'a jamais été. Oui. Mais c'était clair la première fois qu'elle vous en a parlé. Mm-hmm. Pourquoi, dans ces conditions, vous êtes restée aussi longtemps avec lui? Il me faisait du chantage. Il me faisait toujours du chantage. Bon, j'ai eu quand même Nabil tout de suite. Et moi, je vis à des Vosges. Et puis, lui, il habitait dans le Haut-Rhin. Et il me disait... Bon, déjà, j'avais pas le droit d'avoir d'amis. Vous avez coupé de vos amis, de tout le monde, enfin, de ma famille, même de sa famille, de mes amis, donc à Épinal. Et comment il expliquait ça, Latra? Eh bien, tout simplement, il avait donc été marié et il avait vécu en concubinage. Mais il m'a dit que ça ne marchait pas avec les autres femmes parce qu'elles n'étaient pas bien. Soit disant qu'elle lui n'avait pas son linge, qu'elle ne faisait pas le ménage. Je dis, ah, c'est que ça, moi, je te fais le ménage. C'est pas grave, hein, c'est bon. C'est pas une raison pour vous couper de vos amis. Mais oui, mais après, il me disait que pour vivre, mes parents ne voulaient déjà pas que je me marie avec lui. Mais mon père, alors là, non, il ne voulait pas parce qu'il connaissait sa réputation déjà. Et vous? Mais non, mais moi, les amis que je fréquentais à l'époque ne fréquentaient pas son milieu à lui. Donc, je ne savais pas. Et comment vos parents pouvaient savoir quelque chose que vous vous ignoriez? Tout simplement parce que, vous savez, Épinal, tous les musulmans se connaissent. Et moi, je suis musulmane, donc tout se sait, quoi. Si tous les musulmans le savaient, pourquoi vous ne le saviez pas? Mais si, on me l'a dit, mais j'y croyais pas. Il était trop gentil, cet homme. Mmh. Cet homme qui était si bien ne pouvait pas être l'homme qu'on me dit qu'il est. Ouais, je comprends. Et vous étiez amoureuse? J'étais amoureuse. Comment on peut rester amoureuse d'un homme qui vous frappe? Je sais pas. Je sais pas. J'étais peut-être folle, j'en sais rien. Vous avez pas l'air folle, hein, Robin. Non, mais bon. Je sais pas, mais tout le monde me disait, peut-être, ouais. Oui, peut-être, mais tout le monde me disait, non, il faut pas. Puis, et donc, il m'avait dit, écoute, c'est vrai qu'au début, il était très bien, charmant, il sortait, c'était super. Il me dit, tu vois bien. Il m'avait même dit, tu verras, ton père, il va regretter de s'être opposé au mariage. Il verra qu'un gendre comme ça, il n'en trouvera jamais, ça c'est sûr. Alors là, et oui,
Non, mais il a essayé, vraiment, c'était l'homme parfait. Il a essayé, et puis il ne fallait pas fréquenter les musulmans, d'ailleurs. Il m'avait dit qu'il ne fallait pas fréquenter les musulmans. Ah oui, il me disait parce que les musulmans, ils seraient jaloux qu'il ait une femme comme moi. C'est un compliment qu'il m'a fait. Hein. Une femme comme moi, qu'il serait jaloux, puis qu'un homme comme lui, du fait qu'il était bien, il nous ferait de la sorcellerie, parce que chez les musulmans, il y a beaucoup de sorcellerie. Et puis les Français, il ne fallait pas les fréquenter non plus, parce que les Français, ça parle de sexe, ça dit des gros mots, c'est tout, quoi. Attention, il y a des Français musulmans maintenant. Hein. Oui, je sais. Ouais. Voilà, donc il a trouvé, puis il était très gentil, donc il a réussi à ce que j'ai personne, quoi. Si j'avais su. Mais non, mais je me suis rendu compte dans ma procédure de divorce qu'il était bête. Mais non, arrêtez. C'était un malade, c'est tout. Comment j'ai pu avoir peur de cet homme? Il valait rien. Le fait d'avoir rien dit, vous, pendant quelques années, comme ça, pendant plein d'années, est-ce que ça a à voir avec la fierté, par exemple? Oh oui. Oui, parce que je voulais pas qu'on dise, tiens, on te l'avait dit. Et moi, je suis quelqu'un qui est trop, très fier. C'est dommage. Enfin, ce qui est frappant, c'est de voir que vous avez le sourire aujourd'hui, que c'est quand même une histoire assez récente. Que vous en parlez avec du recul, que vous en parlez comme si vous étiez dégagé, tout ça. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est très positif, que ça peut donner de l'espoir à beaucoup d'entre vous, à celles qui sont présentes ici, non? Je sais pas, Hélène. Ah ouais. Moi, je vis, je me sens bien. Je me sens bien. Très vite, à partir du moment où je l'ai quitté, je me suis tout de suite sentie super bien. Ouais. Et je pense que, de toute façon, moi, je le haïssais déjà depuis pas mal de temps, donc ça a dû faciliter la chose au moment où je suis partie. Vous êtes une jeune maman, hein? Vous avez... J'ai 28 ans. Et vous avez une fille? Une petite fille, ouais. Petite fille qui a... 2 ans. 2 ans. Mmh. Et vous êtes partie il y a un an? Il y a à peine un an. Ouais. Vous savez déjà ce que vous direz à votre petite fille plus tard? Si elle demande à rencontrer son père plus tard, enfin, là, on est dans des si, c'est pas pour tout de suite encore, hein? Ouais, on est encore dans des si. Pour l'instant, je sais pas. Ouais. Vous sentez comment les enfants? Vous sentez plus heureux aujourd'hui, vraiment heureux? Ah, moi, je me sens plus libre maintenant. Enfin, j'ai plus de liberté que quand il était à la maison. Asma, tu te sens comment toi? Je suis plutôt heureuse maintenant. Ouais. Par rapport à avant. Ouais. Est-ce que tu es complètement heureuse? Oui. Ça, c'est positif. Je donne la parole à Corinne, qui est donc témoin de celle entre ses parents, qui était une petite fille et qui est maintenant une grande fille, si on peut dire. Quand ça se passait, quand il y a des violences à la maison, comment vous en parliez avec, une fois que c'était passé, je veux dire, avec vos frères et sœurs, avec votre maman? On n'en parlait pas vraiment, en fait. Ouais. C'était là. C'était, on passait à autre chose, plutôt. On jouait comme tous les enfants, on vivait comme tous les enfants. Mmh. Avec maman, c'était plus compliqué parce que... Moi, j'étais l'aînée, donc elle n'avait pas beaucoup d'amis. Toujours pour le même processus, on enlève tout le monde et puis on reste dans notre petit microcosme. Donc, elle me parlait beaucoup. Donc, j'avais... Elle vous disait quoi? Elle me disait qu'elle était malheureuse, elle me disait je ne sais pas comment faire. Elle me disait... j'avais ce que je voyais, plus ce qu'elle me disait, et puis toute sa douleur à elle, quoi. Voilà. Ouais. Votre maman est là, dans le public. Elle est là. Bonsoir, madame, bienvenue, vos frères et sœurs aussi. Ça a duré 16 ans, hein, madame? 16 ans. Vous vous sentez heureuse, libérée aujourd'hui de tout ça, ou est-ce que c'est toujours présent? Non, c'est là. C'est là, bien présent. Et je pense que j'aurais pas assez d'une vie pour oublier tout ça, quoi. Oui. Est-ce qu'il était possible d'en parler à votre papa comme vous en parliez à votre maman? Est-ce que vous avez essayé d'en parler à votre père? J'ai jamais, jamais. Jamais? Ça m'est même pas passé par la tête, quoi. Ouais. Parce que moi, en tant qu'enfant, je disais que mon père était fou, parce que c'est beaucoup plus facile à accepter qu'il fasse des choses complètement inconsciemment que consciemment. Je veux dire, voilà. Non, j'en parlais jamais. Donc on parlait non, vous interposez, oui. Comment? Vous interposez, ah, oui. Ah oui, régulièrement, oui. Ouais. Oui. Régulièrement avec mes frères et sœurs aussi. On était là, on faisait front, et puis voilà. Nous, c'était tout le temps, c'était toujours tout le temps. C'était épuisant, cette histoire. Vraiment. Et vous êtes encore fatiguée aujourd'hui vous sentez encore la pression? Je crois que je suis fatiguée d'avoir recommencé sans cesse. Ouais. Parce que maman, elle est partie régulièrement avec nous. Enfin, elle a essayé de partir. Lui, comme c'était un type balèze, les gens avaient peur de lui. Donc, il arrivait toujours à retrouver notre trace. Il allait voir les gens et puis il leur disait, attention, si tu ne me dis pas où elle se trouve, tu vas voir. Et les gens avaient peur? Ah ben oui. Quel type de personnes? Des personnes de votre famille? Des amis? Des amis. Et puis finalement, à la fin, on ne disait plus où on allait. Voilà. On est carrément... Même les amis disaient même où les vous amis. Étiez? Oh, non, on ne disait rien. On partait et voilà. Vous partiez où? Eh ben, maman, elle nous embarquait, elle nous mettait dans une voiture, et puis on traçait la nuit. Et puis à un moment, on s'arrêtait, voilà. Et puis où on s'arrêtait, ben, on vivait. Voilà.
Mais à l'hôtel Non, dans, je sais pas, où alors, il y avait des connexions, elle connaissait quelqu'un, on dormait, puis après elle trouvait un appartement, puis elle trouvait du boulot, et puis elle nous nourrissait, et puis voilà. Quoi. Ça a duré combien de temps au maximum Je sais pas, plusieurs mois, mais on a fait des trajets, genre Mantes-la-Jolie, Mulhouse, Mulhouse-la-Corrèze, enfin bon, des trucs et comme ça. Et à chaque ça. Fois, il est venu vous retrouver? Oui. Et comment se passait, si vous me passez le terme, ces retrouvailles? Les retrouvailles? J'en ai pas vraiment de souvenirs. J'ai pas vraiment de souvenirs. Je savais, il y a un moment où il était là et puis on avait peur, quoi. Tu veux dire un mot, madame, là-dessus? Moi, je suis la sœur. Oui, je me doute. Nadine. Je suis la troisième, en fait. Ouais. On est quatre. Ouais. Donc, ces retrouvailles, en fait, si vous voulez, c'est toujours le grand pardon. Ça fait combien de temps que c'est terminé, maintenant, cette histoire? Vous êtes partie il y a combien de temps? Vous voulez dire quelque chose? Ça fait combien de temps Elle veut pas ou vous la laissez pas parler? Non, je la sens. Non, ah non, je suis pas comme ça quand même. Non, je la sens qui a du mal à sortir les mots. Ouais. Ben, ça fait déjà, je crois, 8, combien d'années, Bopa? 11 ans que nous avons notre beau-père, qui s'appelle Julien. Sans Julien. Qui est pour nous notre papa, qui a remplacé dans notre cœur notre papa. Et qui a reconstruit notre vie, la vie de maman, qui l'a rendue heureuse, qui a rendu notre équilibre à tous. Et, votre autre papa, alors vous... C'est le géniteur. C'est le géniteur. Vous êtes resté en contact avec lui? Non. Non. On n'a pas eu de nouvelles depuis... Moi, j'avais 16 ans quand la dernière fois que je l'ai vu. Les deux jours les pires de ma vie, je crois. C'était terrible. Il avait tout cassé, il s'enfonçait des seringues dans les jambes, enfin, il pétait les plombs complètement. Et moi, de ce jour-là, je ne l'ai plus revu. Et oui, on a eu des nouvelles par personne interposée. Il a donc une nouvelle femme, nous avons une demi-sœur. Voilà, j'espère que ça se passe bien pour elle, surtout pour elle. Et du haut de vos 10 ans, de vos 12 ans, du haut de votre enfance, de votre adolescence ensuite, est-ce que vous compreniez ce qui se passait à la maison? Je ne comprenais pas tout. Enfin, j'ai jamais vraiment compris pourquoi ça se passait comme ça. Hein. L'idée, c'est qu'il y avait un méchant, puis il y avait des bons, quoi. Ça, c'est sûr. Et le méchant, c'était lui. Et parce qu'il nous frappait, et parce qu'il était violent. Je veux dire, en plus, on ne comprenait pas la finalité de tout ça. La finalité, c'était je pleure et je vous dis que je vous aime. Donc, Il y avait des prétextes à chaque fois qu'il devenait violent? Oui, c'était. Enfin, les prétextes, c'était toujours les mêmes. T'es arrivé en retard, je suis sûre que t'as couché avec machin, je suis sûre que t'as fait ceci ou cela. Et puis, nous, on ne rentrait pas vraiment en ligne de compte, mais on était là. Donc, On parlait, Corinne, de comment votre vie d'adulte a été influencée par ce que vous avez vu quand vous étiez petite. Vous avez dit différentes choses en préparant cette émission qui sont assez surprenantes. Vous avez dit, par exemple, que les hommes gentils vous irritent aujourd'hui. Oui. C'est dur à comprendre. Ce qui se passe, c'est que je pense quelque part qu'en enfant, puisque j'étais l'aînée en plus, je me suis toujours sentie coupable de quoi, je ne sais pas de quoi. Mais enfin, j'étais là et j'avais dû faire quelque chose. Enfin, j'ai dû faire quelque chose, puisque c'est pas oublié pour moi. C'est pas un truc que je vis bien. Donc, j'avais dû faire quelque chose. Donc, aujourd'hui, les gens qui sont gentils avec moi, je me dis, de toute façon, d'abord, ou je le mérite pas, ou il va y avoir une merde au bout, quoi. C'est clair. Donc, encore aujourd'hui? Ah oui. Vous paraît louche, quoi, d'une certaine manière. Ah, il y a un truc bizarre. Puis, il y a un truc qui se verra un jour, quoi. Il y a un truc qui sortira un jour. Ouais. Comment vous êtes comportée en devenant maman, à votre tour? Bah, ça a été pas facile. Les premiers mois, mais pas par... C'est mon rapport à mon enfant qui était difficile. D'abord parce que je me suis rendu compte d'un coup que j'avais pas de papa, donc il aurait pas de grand-père, donc il y avait toute une cellule. Oui, mais c'était le... Papinou, c'est... Bonsoir Papinou, bienvenue, ça se peut. C'est mon père, quoi. C'est mon père de cœur. C'est un mec vachement bien, quoi, vraiment. Comme quoi, ça existe. Mais... plaisir. Non, mais c'est vrai. J'ai pas une grande estime des hommes, hein, je l'avoue. Hein. En règle générale, je trouve que c'est des mecs assez lâches. Faire un petit pas en arrière aussi. Non, mais bon. Sauf Papinou, quoi. C'est toutes des... Bah, lui, déjà, il a épousé ma mère, il a épousé 4 enfants avec, il avait beaucoup souffert, il a pris les petits-enfants aussi, quoi. Et c'est, il les aime entièrement. Et c'est quelqu'un qui aurait pu faire sa vie tout à fait différemment. Vous voulez dire quelque chose, Julien? Ajouter un mot? Non, pas. Non. Tout ça. Ben vous, madame, vous lui donnez un coude pour qu'il parle et vous ne dites pas un mot, alors. Petit coup de coude. Non. Moi, ce que je dois dire à Corinne, c'est qu'il faut faire confiance quand même dans les autres. Savoir qu'il existe des hommes gentils, des hommes bons, et puis oublier peut-être pas, mais cicatriser, fermer cette blessure, tout en sachant qu'elle a un fils et tout le monde... C'était la gentille.
Hein, et c'est un mec. Oui. C'est un mec. Elle adore son enfant. Et pour nous, on ne donne que de l'amour autour de nous. On essaye du moins. Vous sentez de la violence à l'intérieur de vous? Oui. Moi, je suis quelqu'un de particulièrement... j'ai du mal, quoi. Enfin, quand je suis très en colère, je suis très en colère. Quand je suis très contente, je suis très contente. Mes sentiments ne sont pas des sentiments nuancés. Mais quand vous êtes très en colère, vous êtes violente? Je peux le devenir, mais c'est souvent vis-à-vis contre des moi. Autres, vis-à-vis... Non, non, c'est moi, c'est moi. Quand, c'est parce que je ne suis pas en rapport avec moi, quoi. Je ne suis pas ce que je voudrais être, en fait. Vous avez dit aussi, je parlais des hommes gentils tout à l'heure, autre conséquence sur votre vie d'adulte, qu'il y a quand même un point positif dans cette expérience de votre vie d'aujourd'hui. Alors, on a du mal à comprendre comment il peut y avoir quelque chose de positif issu d'une violence conjugale. Ce qui est positif, c'est d'abord la famille. C'est le fait qu'on s'est tous regroupés, qu'on est extrêmement soudés et que... Quelqu'un qui va venir casser ça, il va être cassé tout de suite. Il n'aura pas la chance de faire quoi que ce soit. Et puis surtout, moi, par rapport à mon enfant et puis mes frères et sœurs également, puisqu'on en parle beaucoup, je veux dire, on a en face de nous des êtres neufs. On veut lui faire... Moi, ma plus belle réussite, ça serait que mon fils soit un mec heureux, quoi. Juste heureux, et puis voilà. Et ça serait très bien, ça. Moi, ce que je n'ai pas comme capacité, c'est d'être heureuse. Voilà. Ça vous fait réfléchir, Hélène, sur ce que vous direz plus tard à votre enfant, où tout ça entre et puis il faut dormir dessus quelques mois, quelques... Pour l'instant, je ne sais pas exactement ce que je lui dirais. Mmh. Bon, son père, elle l'a quitté, elle avait 15 mois. Déjà, je pense qu'elle n'aura pas le souvenir. Ça n'a rien à voir. Mais on disait aussi, on s'est rendu compte, les psys le disent, mais pas seulement, que même un enfant très petit peut se rendre compte de ce qui se passe à la maison, non? Bien sûr, non, parce qu'un enfant sans l'ambiance, sans l'attention, et ça, de toute façon, même si l'enfant n'est pas touché, ça a des conséquences traumatiques sur l'enfant. Et je crois qu'il faut... que les auteurs de violence prennent conscience qu'il ne suffit pas de dire « j'aime mes gosses », qu'ils ont des responsabilités dans les conséquences que ça aura à long terme. Je suis là pour ça, en fait. Hein. Je ne suis pas là pour dire que c'est bien ou mauvais. Je ne suis pas là pour juger mon père ni pour lui faire un procès. En fait, je suis là pour dire aussi « vous êtes parents, vous avez des devoirs vis-à-vis de vos enfants et surtout les rendre heureux, juste de les rendre heureux. » Ça ne va pas plus loin, quoi. Comment la police, madame, a fini par intervenir dans votre histoire? Ce soir, Corinne m'a dit, écoute, elle a fait une crise d'angoisse, donc on est sortis, et elle m'a dit, on va à la police. Et puis on y est allé, et puis ils n'ont pas fait grand-chose, en fait. Ils n'ont pas fait grand-chose, et puis les gens autour ferment leurs portes. C'est à partir du moment qu'il y a le SAMU, là, on voit que les gens ouvrent leurs portes et leurs fenêtres en disant, ah bon, il se passe quelque chose. Mais ils ont tous vu, tout entendu, si vous êtes enfermés ou pas, ils s'en foutent. Hein. Et la police, pour moi, bon, on n'a rien fait, en fait. Pas grand-chose, du moins. Vous, Hélène ? Si. Disons, quand la police, en fait, est intervenue, bon, ils ont demandé un petit peu de raconter l'histoire. Là, ils m'ont demandé de montrer, en fait... Dans quelles conditions, peut-être, Hélène, pour préciser ? À quel moment la police est intervenue ? La police est intervenue, elle a été appelée, en fait, par les voisins. Et donc, quand ils sont arrivés... Pourquoi ? Ce soir-là ? Ah, parce qu'en fait... Ah oui, alors, remonter à tout, ouais, c'est... moi, je sortais du travail, je suis arrivée assez tard à la maison, et j'étais passée faire des courses. Et j'avais eu le malheur, ce soir-là, d'acheter une boîte de haricots à 7,10 €. Donc, quand je suis arrivée, il a défait le sac à provisions. Il m'a dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, boîte de haricots à 7,10 €, bon. Et il m'a dit, mais attends, t'as pas entendu ce que je t'ai dit ce matin, on doit faire des économies. Je lui ai dit, mais bon, enfin, j'ai essayé de me justifier en disant que 7,10 €, c'était quand même pas la ruine. Et à partir de là, il m'a dit, écoute, barre-toi, parce que sinon, je t'en mets plein la figure. Donc là, moi, je suis partie en courant, et puis la peur... T'es partie tout de suite, là, ce soir? Ah ouais, parce que la peur au ventre, c'est un truc qui vous habite, c'est atroce, quoi, ça vous prend le bide, vous avez qu'une envie, c'est de fuir. Ma fille dormait, bon, je me suis rassurée en me disant ça après. Et j'ai tout de suite appelé ma belle-famille en lui disant que j'étais à la rue. Donc ma belle-famille, elle n'est pas venue, elle n'a pas intervenu. Elle m'a dit, écoute, va dans un troquet pendant une heure, il va certainement se calmer. Et après, tu reviens tranquillement. Bon, alors j'ai attendu une heure et puis je suis rentrée. Là, il était installé à regarder la télévision. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fous là? Je lui ai dit, écoute, je te retourne la question. Parce que bon, effectivement, parfois, on se tait, on dit rien, et puis à d'autres moments, on réagit.
Donc comme c'était mes parents qui nous aidaient à payer le loyer, je trouvais que bon, j'avais quand même droit de lui retourner la question. Et bah là, il m'a sauté dessus. Il a fermé la porte, il a commencé à me massacrer, taper la tête contre le sol, je te mords. Si tu réagis, je vais aller chercher ta fille et puis elle sera témoin de tout, enfin bref. Si tu appelles au secours, pareil, j'irai bon, j'irai chercher ta fille. Et ben là, j'ai appelé au secours parce que je me suis dit, si on ne l'arrête pas, il me tue. Donc là, heureusement, j'ai réussi en fait à m'échapper, je ne sais plus comment, de la chambre. Et un voisin est intervenu en me disant, madame, ne vous inquiétez pas, la police va arriver. Et puis, il ne voulait toujours pas me laisser sortir. Et effectivement, on parlait de... Je crois que quand on reçoit de l'agressivité, des décharges comme ça d'agressivité, on ne peut pas tout contenir, quoi. Et il y a un moment donné, effectivement, où ça... On a besoin forcément de le recracher. Donc là, je me suis surpris à prendre un trépied, enfin un truc de photo, et à commencer à lui porter, en fait, le trépied à la tête. Et je me suis dit, stop, parce que toi, t'es pas... Il ne faut pas que tu ailles jusque-là, toi. Parce que j'aurais été capable, effectivement, moi-même, de lui asséner vraiment des coups violents, puis je me suis arrêtée. Et là, la police est intervenue. Et bon, je pense que... Ils se sont rendus compte de ce qui se passait ? Ouais, ils sont arrivés en situation de crise. Ils m'ont demandé de montrer ce que les blessures. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passait avec votre... Ils essayaient de le faire sortir de l'appartement. Et puis lui, il était comme en fait, il détruisait autant qu'il se détruisait lui-même. Il a dit, allez-y, prenez-moi, mettez-moi en garde à vue, mettez-moi les menottes et tout. Enfin bon, grande gueule, hein, parce que quand les flics se sont approchés de lui, non, j'ai plus envie de partir, Hélène, tu déconnes, tu vas quand même pas porter plainte contre moi. Enfin bon, je dis si. Et en fait, j'ai demandé à la police de savoir quelles étaient les peines qu'ils pouvaient encourir. Là, ils m'ont pas répondu. Et heureusement qu'ils m'ont pas répondu. Pourquoi ? J'aurais hésité, je pense, à porter plainte. Parce que j'étais pas encore libérée de la culpabilité. Vous n'auriez pas souhaité prendre le risque de l'envoyer en prison, alors qu'après, une fois qu'il y a eu le procès, de toute façon, il n'a pas été en prison pour autant. On a demandé à un policier de nous rejoindre, un brigadier-major de police, Bernard Bayard, s'il vous plaît. Bonsoir, bonjour. Vous avez travaillé 25 ans dans un commissariat en Seine-Saint-Denis, brigadier-major. À quelle fréquence vous avez été appelé pour intervenir dans des cas de situation de violence conjugale ? En soirée, quasiment tous les soirs. Ce sont des interventions quotidiennes sur le département, pas seulement sur la commune où j'ai travaillé, sur laquelle je travaillais. J'ai travaillé sur plusieurs communes en Seine-Saint-Denis. Et ce sont des interventions qui se font... Qui appelait tout. Alors, tantôt les voisins. Tantôt les voisins, tantôt les enfants, lorsque les enfants arrivent à le faire, la femme parfois, et plus souvent les voisins, pas parce qu'il y a des victimes ou parce qu'il y a des coups. La plupart du temps, les voisins appellent parce que ça fait du bruit. Les gens sont bien souvent plus dérangés par le bruit, on entend que ça fait du bruit, ça casse un trépied d'appareil photo, etc. Donc là, les voisins appellent... Il y a du tapage à l'appartement 25 et donc c'est plus. Ils savent ce qui se passe. Ouais, ils donnent quelques pistes. Ils donnent quelques pistes. Ils sont en train de se battre. Vous voyez, c'est... Alors, on est là, on le disait, les policiers ne sont pas formés spécifiques. Pardon, brigadier, allez-y. Oui, donc je voulais dire quand au moment de l'intervention, je reviendrai sur la formation tout de suite après. Oui, mais l'intervention est liée à la formation, j'imagine. Oui, tout à fait, bien sûr. Et donc je vais passer à la formation tout de suite. La formation, non, elle n'est pas suffisante. C'est clair. Actuellement, les policiers sont formés sur 12 mois. La formation d'un policier dure 12 mois. Le module, c'est la formation par objectif. Le module concernant les violences conjugales représente 9 heures de formation, comprenant l'aspect juridique, l'aspect relationnel et l'aspect technique d'intervention. L'aspect technique ? L'aspect technique, c'est les précautions à prendre. Dans ce type d'intervention, j'ai entendu les balles siffler. Une fois, à travers une porte, on s'est fait tirer dessus, sur une affaire de différents familiales, de violences familiales. Donc il y a des techniques à respecter. C'est vrai que
il y a une certaine routine, une certaine routine qui s'installe et on n'applique pas toujours les règles. Et sur ces 9 heures de formation, le psychologue n'intervient qu'une heure dans les mises en situation. L'aspect humain, il intervient quand dans tout ça? Parce que vous me parlez de 9 heures de formation, c'est... Moi, ça m'éteint complètement. Moi, j'ai eu affaire, là, dans le village où j'habitais, où on est enclavé, où j'habite une rue où il n'y a pas de vis-à-vis, où j'ai failli mourir 20 fois. J'ai appelé les gendarmes. Mon cher monsieur, je suis allée sonner. Il y avait un match de foot. Oui. On m'a demandé de repasser. Non, mais vous écoutez, avez dans les 9 heures, pourriez pas inclure qu'ils éteignent la télé juste quand ils sont... Madame, vous avez raison. Vous voyez, hein, je suis venu pour expliquer ce qui se faisait. Voilà. Mon propos, même s'il est un peu technique, si je rentre dans la technique, mon propos n'est pas une négation de vos souffrances et de vos douleurs. Je ne pourrais pas parler pour les militaires de la gendarmerie nationale. Je suis policier, vous voyez, d'accord. Lorsque j'intervenais, je n'intervenais pas en tant que censeur. Je ne venais pas faire la morale. Mon intervention se faisait dans un cadre légal, en rapport avec le code de procédure pénale. Et c'est pourquoi je dis je suis peut-être technique, ça ne repousse pas ce que vous avez pu subir. Donc je suis obligé de me tenir à ce code, à ces règles. Il n'est pas question, lorsque l'on intervient dans une sphère familiale, dans une bulle privée, le terrain de prédilection du policier, c'est la rue. Vous voyez, là, on intervient dans une sphère privée. L'intervention est beaucoup plus délicate, mais elle a des règles de droit. On a des heures légales, les heures auxquelles on peut intervenir et les heures auxquelles on ne peut pas intervenir. Le mandat d'amener, le mandat de dépôt. Oui. Mais il n'y a pas de mandat de perquisition. S'il y a une notion de danger pour la femme, en l'occurrence, ou l'homme qui menace de mettre fin à ses jours, ou si un enfant est en danger, là, ça ne pose aucun problème. S'il est 3 heures du matin, on n'a pas besoin d'attendre que la porte nous soit ouverte. On rentre. On me dit, François de Closet, vous posez une question. Oui. J'avais déjà fait une émission il y a 10 ans sur ce thème, mais je n'avais pas eu la réponse que je voulais. C'est ce soir, François. Alors, je voudrais savoir si ça a changé, Jean-Luc. Lorsque les forces de police sont appelées au milieu de la nuit pour des violences familiales, qu'est-ce qu'elles font 9 fois sur 10? Elles prennent la femme, les enfants, à 3 heures du matin, on les embarque et on cherche au commissariat, on téléphone, tu pourrais pas les caser quelque part dans un foyer, et la brute qui cognait reste seul maître du terrain. C'est pas une question, François. J'avais demandé, je voudrais savoir si ça a changé, que vous ayez, vous policiers, l'instruction inverse, c'est-à-dire de sortir celui qui frappe et de laisser aux victimes la libre disposition du domicile familial. Est-ce qu'on a changé ? Attendez, laissez-le répondre, François, laissez-le répondre, excusez-moi. Vous connaissez ce boulot mieux que moi, mais laissez-le répondre, s'il vous plaît. Aujourd'hui, le code pénal a évolué en matière de violence conjugale. Depuis 1994. Donc c'est un délit. On n'a pas besoin de constater par une incapacité, c'est un délit le fait de mettre une gifle à son épouse ou à sa concubine, c'est un délit. Délit grave. Moi je suis intervenu, je dis, appelé par des voisins. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez sortir un mari aujourd'hui? Bien sûr. Bon, François, oui, depuis 1994. Sans problème, je l'ai fait. Depuis quelques années maintenant. Je l'ai sorti manu militari, mais avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Parce que c'est le Far West, quoi, dans l'appartement. Hein. Oui, parce que je vous en prie, Nicole. J'ai une question à poser, parce que... Je voudrais finir. Mais Nicole, dans une situation, je vais vous aller y arriver. Vous d'accord. On va vous laisser la possibilité. Quand nous, on a le courage d'appeler, parce qu'il faut avoir aussi le courage d'appeler la police, et on le fait en cas extrême, parce qu'on sait très bien ce que ça va faire... Par la suite. C'est-à-dire Déjà, il faut avoir le temps de prendre le téléphone. Quand vous êtes en période de crise, qu'il y a quelqu'un qui vous menace, avec une chaise, enfin, menace de vous tuer, parce que c'est ça, il faut le dire. Il faut avoir le temps de prendre le téléphone, de faire le numéro de la police, et puis d'espérer qu'ils arrivent très, très vite. Et quand ils arrivent, en général, la personne qui a compris tout de suite, parce qu'on n'a pas affaire non plus qu'à des imbéciles,
La personne qui nous tape est très calme. Moi, ça m'est arrivé très souvent. Alors, la police arrive, ben oui, oh, ben, il est... Ah, oh, ben... Qu'est-ce... Ben, madame... voilà. Donc, rien de plus. Voilà, vous avez... Il va se calmer, il va se calmer. Et une fois que la porte se referme ? Eh ben, ça continue, évidemment, deux fois plus. Hein. Mais on ne les appelle plus. Mais c'est en partie la réponse que je voulais faire tout à l'heure. Lorsque les policiers, lorsque j'interviens, moi, sur ce type de situation, le... Ah, je vais être un peu léger, mais le plus gros est passé, puisque... Moi, je suis arrivée la tête en sang, quatre dents qui pendaient, le nez complètement cassé, j'avais le côté droit paralysé, j'ai sonné, je vous assure, j'ai sonné, j'ai mon ami là qui est témoin de ça, parce que j'ai réussi à l'appeler par la suite. Je suis arrivée un jour de match, nom d'un chien, il m'a frappée le jour d'un match. Bon, alors, après, on a des phrases telles que... Vous êtes sûr, vous avez vraiment été... Non, mais parce que... Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, on rentre chez soi, qu'est-ce que vous voulez? Et le gendarme vous dit, mais écoutez, hein, vous vous refaites un petit peu, et puis vous arrangez ça sur l'oreiller. J'ai des témoins, monsieur. Quand est-ce qu'on trouvera des femmes flics, nom d'un chien ou... Voilà, il y en a une avec nous dans le public, justement. Jocelyne Rousseau, où est-ce qu'elle vous attend? Vous allez discuter avec elle. Oui. Où est-ce qu'elle est, Jocelyne? Bonsoir. Je suis là. Vous êtes... bon, déjà, disons, comme tous les autres invités de ce plateau, vous avez été battue par votre mari. Oui, exactement. Comme Bernard, qui est derrière moi, vous travaillez dans la police. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord sur... Enfin, est-ce que vous comprenez, Patricia? J'imagine que oui. Alors, moi, je comprends toutes les dames qui sont ici, oui, puisque j'ai été battue comme elle pendant une bonne vingtaine d'années. Vous étiez policier déjà à l'époque? Oui. Oui, j'étais policier. J'étais policier dans la région parisienne. Et ce que je déplore ce soir, je vais vous le dire tout de suite avant que ça craque, c'est que je déplore beaucoup qu'il n'y ait pas de quelqu'un qui représente la justice. Parce qu'en France, il manque la justice. La justice est faite pour les hommes et pas pour les femmes. Et ça, ça me fait mal. D'accord pour la justice? Désolée. Je ne suis pas très gentille avec eux, mais je regrette. Et avec les policiers? Alors, je suis policier, bien sûr. Donc, je ne vais pas défendre les policiers, mais je peux quand même dire quelques petits mots. J'ai vécu dans un endroit vers La Rochelle, et malheureusement, à côté de chez moi, il y avait des gendarmes. Et quand j'appelais les gendarmes, c'était souvent presque tous les jours. Ben, les gendarmes, là, ils n'avaient pas de match, mais des fois, ils étaient partis ailleurs, se promener, ils étaient de l'autre côté de la ville. On ne va pas casser du sucre sur le dos des gendarmes, parce qu'il n'y en a pas sur ce plateau. Mais... Ben non, il n'y en a pas. Non, malheureusement, mais pourquoi vous étiez policier déjà à l'époque? Oui, oui, oui. Et pourquoi vous n'avez pas fait le 17, alors? Le 17, j'arrivais à la gendarmerie. Ah bon, et je travaillais au commissariat de La Rochelle, mais j'avais un patron qui était en or et que j'appelais la nuit, qui m'a aidée, qui m'a sauvé la vie. Et on s'est retrouvés avec ma fille qui est là en rose, on s'est retrouvés toutes les deux, un jour, en chemise de nuit, en slip et en savate, dehors. Toutes les deux, on s'est retrouvés comme ça, hébergés au commissariat pendant une semaine. Ah oui, d'accord. Et on parlait de ces femmes qui ont du mal à porter plainte aussi. Oui, elles ont du mal parce qu'elles ont... Ce qu'il y a, ce qui revient, c'est la peur et la honte. Ah, Bernard, vous aussi, vous le confirmez, vous avez déjà incité une femme à porter plainte? Oui. Au moment des interventions, bien sûr. Ouais. On leur donne les possibilités. On n'a pas à influencer. On donne la possibilité en expliquant, présentez-vous si les femme violences sont cessées. Si vous voyez qu'une femme est vraiment cassée, quoi, comme la plupart de celles qui sont face à vous aujourd'hui, est-ce que vous ne prenez pas sur vous pour vous arranger un peu avec la loi, pour les inciter quand même? On peut pas s'arranger avec la loi. On sort le bonhomme. Mais si vous avez sorti un bonhomme, bien sûr, bien sûr, à plusieurs reprises. Avec les menottes, enfin, je veux dire, s'il faut... Bien sûr. Ouais. Même s'il est calme? Non, ça, c'est la difficulté. C'est ça. C'est la difficulté. Quand on arrive, il y a l'acte de contrition qui est parfois en train de se faire, où c'est pas toujours la femme qui nous a appelé à ce moment-là, ce sont les voisins. On voit visiblement qu'il y a eu vous un problème. Vous faites sauter les portes, parfois, et les gens... C'est arrivé. Oui, monsieur, c'est arrivé. Si c'est un citoyen dans la rue qui vous appelle et qui vous dit, voilà, ce monsieur m'a tapé sur la figure, là... ce monsieur qui est à côté de cette voiture, il m'a tapé sur la figure, etc. Vous arrivez, l'autre est calme, vous l'embarquez quand même. Non. Mais on a, si, non, madame, et on a l'impression que la femme n'est pas un citoyen à part entière, hein, souvent. Madame, ça dépend des cas de figure. Pour constater une infraction à la loi pénale, que ce soit un crime ou un délit, il faut ce qu'on appelle des éléments. Il faut qu'il y ait trois éléments, madame. Il suffit pas simplement... Alors que pour une femme, non. Excusez-moi de vous interrompre, il ne suffit pas simplement de désigner quelqu'un, ça serait
somme toute facile de désigner quelqu'un en disant « cette personne ou cet individu m'a frappé, la police arrive, on embarque le bonhomme ». Je veux dire, il faut des éléments. C'est pour ça que c'est difficile pour vous. C'est peut-être difficile. Quels sont les éléments? Parce que là, vous êtes aussi face à Nicole qui, elle, est venue en parler aujourd'hui, qui souhaite que ça cesse. Ça fait 28 ans qu'elle subit des violences de toute nature. C'est un harcèlement moral maintenant. Hein, donc, c'est une destruction. Il casse tout ce qui est autour de lui, il hurle à la mort. Il me casse même les boulots. Le travail que je trouve, il me le casse. Comment? Parce qu'il me détruit, parce que je suis obligée de prendre des calmants, donc je ne vais plus à mes boulots. Parce que quand je travaille, il sait que je peux partir. Je lui dis toujours que quand j'aurai un bon boulot, je vais m'en aller. Donc en fait, quand il me harcèle, il me... Il vous empêche d'avoir votre indépendance matérielle, quoi. Donc j'arrive à prendre des médicaments, je suis dépressive, et puis bon, je perds les boulots que j'ai. Et pour répondre à monsieur, enfin... Le jour où il a cassé ma voiture, on roulait, c'était la nuit, on revenait d'une soirée, il avait beaucoup bu, je lui ai dit que je le quittais dans la voiture, il est devenu fou, il a cassé toute la voiture, mais alors vraiment toute la voiture. Hein, et comment on peut casser toute une voiture? Avec ses poings, il a cassé les pare-brises avant, devant, les glaces latérales, et puis je suis arrivée derrière une patrouille de... De police. Il y avait même trois véhicules. Il revenait sûrement d'une patrouille de nuit. J'ai fait des appels de phare. Je pleurais, évidemment. J'étais dans un état... Je croyais que j'allais y passer, hein, sérieusement. Et je sais que les policiers se sont arrêtés. Quand ils ont vu l'état de la voiture, de toute façon, ils sont descendus vraiment. Il y a eu, sans mentir, 12 policiers qui lui ont couru après. 12 gendarmes, hein, puisque c'était des gendarmes. Et il s'est sauvé. Oui, il s'est sauvé quand il a vu. Bon, moi, je suis restée avec un policier, un gendarme qui m'a couvert d'un manteau. Enfin, j'étais en état de crise, de nerfs. Et il a été rattrapé. Ils l'ont amené à la gendarmerie. Il s'est calmé de suite. De suite. Ouais, on a bien vu qu'il était violent. Comme s'il était. Vous avez déjà porté plainte? Contre lui, non. Non, parce qu'il me tuerait. Il y a aussi... pas légalement. C'est de dire qu'on ne peut rien faire tant que les femmes ne portent pas plainte. Parce que c'est évident qu'elles ne peuvent pas porter plainte. Elles ont peur, elles ont honte, elles se croient coupables. Parfois, elles le font et elles retirent la plainte aussi, ça arrive. Oui, non, mais en plus, c'est pour elles, c'est elles qui sont responsables de ce qui se passe. Elles ne vont pas porter plainte contre lui. Mais donc, il faut arrêter. Enfin, je veux dire, c'est la société... Oui, qu'il n'y a pas... En plus, déjà... C'est classé sans suite. C'est classé sans suite, Moi, je sais que mon ex-mari, il a déjà été condamné à sa... Je ne veux pas défausser la police là-dessus, mais c'est le niveau du... C'est la justice. Là, c'est au niveau du parquet, puisque seul le procureur de la République a l'opportunité des poursuites, quand il reçoit la plainte. Et là, la police est tenue de l'informer. Aujourd'hui, ce que Viviane Monnier vient de dire à l'instant, c'est très juste. Mais vous n'avez plus besoin de déposer plainte, puisqu'on sait que c'est un délit. C'est un délit. Donc, c'est sûr que le fait de faire une déclaration sur procès-verbal, de fournir un certificat médical, même si aujourd'hui on n'en a pas besoin, je veux dire, ça va étayer. Je sais, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de franchement désapprouver le comportement de certains de vos collègues? Oui, j'ai entendu il n'y a pas longtemps des personnes, des dames qui sont venues et qui venaient porter plainte contre leur mari, des gens qui sont un petit peu connus ou qu'on connaît. Et puis on m'a dit, oh oui, mais elle s'est fait ça toute seule, elle s'est cognée. Non, et qu'est-ce que vous le dites à ce collègue à ce moment-là? Ah ben là, je me mets en colère parce que ça, je ne suis pas contente. Là. Puis je vois bien toutes ces dames, on est toutes normales, hein, on n'est pas folles. Même s'ils ont voulu nous faire enfermer, ce qui a été mon cas aussi, il a voulu me faire enfermer. Mais bon, il n'a pas réussi, c'est parce qu'on est quand même forte. En général, quelle est l'attitude des hommes que vous rencontrez juste après qu'ils aient frappé leur femme? Est-ce qu'ils culpabilisent? Est-ce qu'ils nient? Est-ce qu'ils avouent? Est-ce qu'ils disent... Souvent, ils nient. Hein. Au regard de ce qu'on vient d'entendre, Jocelyne, de ce que vous venez nous dire, je vais donner la parole à un homme qui a été violent pendant plusieurs années et qui a accepté de témoigner ce soir, même de manière anonyme, mais qui a accepté quand même de témoigner. André est avec nous, bonsoir monsieur. Et tout le monde peut lui parler. Bonsoir André. Oui, bonsoir. Vous nous entendez, vous avez vécu 4 ans avec une femme avec laquelle vous avez été violent. Avant de parler de votre propre parcours, peut-être quelques réactions à tout ce qui a été dit jusqu'ici. Oui, bien sûr, c'est toujours extrêmement troublant d'entendre des femmes évoquer ce qui a été une partie de ma vie aussi. Donc inutile de vous dire que je ne suis pas à la bonne place. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez tout ça? Parce que on va essayer de comprendre ensuite comment vous êtes entré dans ce processus et comment vous en êtes sorti aussi aujourd'hui. Hein. Mais vous pouvez entendre ce qu'elles disent?
Vous pouvez écouter ce que disent ces femmes? Oui, oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'à un moment, j'avais quand même très envie de partir. Vous avez dit à un moment d'ailleurs que les hommes qui faisaient ça étaient lâches. Qui dit ça, je pense que les hommes qui faisaient ça étaient lâches. Je pense que vous avez raison. Je pense aussi que mon courage aujourd'hui pour moi-même, c'est de rester là. Et de me regarder en face, en fait. Et d'essayer de répondre le plus honnêtement possible. Ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, être là aujourd'hui, c'est quasiment héroïque parce que j'avais envie de m'en aller parce que ça m'a renvoyé à quelque chose que je ne pratique évidemment plus. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de compassion pour les femmes qui ont subi toutes ces violences. J'en ai aussi pour les hommes qui ont donné libre cours à cette violence. Je pense qu'il s'agit de gens malades. C'était mon cas. Je me suis soigné efficacement. C'est aussi pour ça que j'ai accepté de venir ce soir. Je pense que les hommes qui pouvaient témoigner ce soir ne doivent pas être très nombreux d'ailleurs, parce que ça demande... Très touché en fait, je suis très, André, très touché d'être là. Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez donc levé la main sur votre femme? Oui, enfin, c'était ma compagne, j'avais un problème d'alcool. J'étais marié pendant 10 ans avec une femme que je n'aimais pas passionnément, mais enfin bon, ça allait pas trop mal. Et puis je n'avais pas pu obtenir, si j'ose dire, la femme que j'aimais quand j'étais jeune, donc je m'étais marié un peu par dépit. Et enfin, ou plutôt par l'acheter, là aussi, peut-être, pour ne pas être seul, quoi. Et puis, l'union a duré 10 ans, je n'étais pas satisfait de cette relation. Elle m'aimait, je crois. Moi, je ne me supportais pas, en fait. Je me détestais déjà, je me méprisais profondément, je me trouvais laid, assez inintelligent. Et surtout, j'aurais voulu être vraiment quelqu'un d'autre et probablement être né dans une autre famille. Mon père buvait aussi, et mon père était violent aussi. Donc, j'essayais de fuir ma réalité d'homme, et bon, voilà, j'ai rencontré une femme alcoolique. Que j'ai aimé passionnément d'ailleurs. Et je commence à seulement comprendre à 50 ans maintenant que aimer, c'est donner à l'autre, c'est pas lui prendre. Et moi, je vivais que pour Eros, si vous voulez jouer. Je vivais que pour l'amour charnel. Je savais pas aimer, personne m'avait appris vraiment à aimer et moi-même, j'avais pas eu tellement de curiosité à ce sujet. J'étais incapable d'aimer quelqu'un. Dans quelles circonstances vous l'avez frappé pour la première fois? Eh bien, c'était. Elle buvait beaucoup et parfois dans le restaurant, elle me disait qu'elle allait aux toilettes et puis je la voyais pas en fait. Elle allait ou fumer un joint ou. Où elle allait vite fait au bar pour boire davantage. Et en fait, j'étais fou d'amour et quand, je la cherchais partout en fait. Et je payais l'addition et on ne mangeait même pas d'ailleurs. Et puis je la retrouvais parfois dans un bar voisin ou dans un restaurant voisin. Et elle discutait avec un autre homme et je devenais fou. Je devenais fou, quoi. Vous l'avez frappé dans un bar la première fois? Oui, bien sûr. Il n'y avait pas d'endroit, si vous voulez, c'était... Partout? Oui, c'était... Comment a-t-elle réagi quand vous l'avez frappé? C'était une femme qui avait été battue par ses propres parents très, très violemment. Et moi, j'avais jamais fait ça de ma vie auparavant. Et elle acceptait, en fait. Je crois qu'elle se mettait en boule, vous voyez, et puis c'était fini, quoi. Et les gens essayaient de me calmer, mais comme j'étais assez puissant, même les hommes ne s'interposaient pas, quoi, si vous voulez. Bon, après... parfois, il y en avait quand même qui s'interposaient, mais si vous voulez, après, j'avais l'impression d'être transporté dans un autre univers. Après l'avoir frappé? Oui, bien sûr, j'étais quelqu'un de... Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, à plusieurs reprises, d'ailleurs. Quand l'homme perd la maîtrise de sa vie comme ça, il est fou. Moi, j'étais fou à ce moment-là. Question qui peut paraître choquante, avec le recul, est-ce que vous pensez que vous en souffriez autant que votre femme? Bien évidemment. Je veux dire que c'est très humiliant pour un homme de frapper une femme. C'est très, très humiliant. C'est très humiliant pour la femme aussi de subir ça. Mais... Et puis ça fait mal en plus. Hein. Oui. Mais, non, vous savez, il faut être deux. Enfin, je ne veux pas du tout culpabiliser les personnes qui sont là. Moi, je me suis vraiment soigné et j'essaye de regarder que chez moi. Je vis actuellement depuis 4 ans avec une femme qui a été victime de violences conjugales, qui a eu un problème dans sa famille aussi avec un membre de sa famille alcoolique. Et on ne s'est pas rencontrés par hasard. Ce qui est fantastique, c'est que ma compagne a accepté elle aussi de se soigner et de regarder entre guillemets sa part de responsabilité. Et je me suis rendu compte que une fois que j'ai eu cessé l'alcool... Vous ne buvez plus du tout là? Non, je suis membre des Alcooliques Anonymes depuis 9 ans. Et je peux dire que ce sont eux qui m'ont permis de faire un travail exceptionnel sur moi-même. Et ma compagne aussi a profité de ce travail-là, elle en profite toujours. Est-ce que vous avez déjà eu envie de frapper une femme, celle que vous avez actuellement, ou une autre, sans être sous l'emprise de l'alcool? Oui, c'est ce qui m'a donné d'ailleurs envie de venir aujourd'hui pour dire que l'alcool n'était pas la pathologie principale dans ma violence. En fait, je crois que c'était surtout ma manière d'être qui était inadaptée à ma vie, quoi. Vous avez incapable d'aimer, vous disiez, quoi. Oui, j'étais incapable d'abord de m'aimer,
je ne me supportais pas et j'étais incapable. Quand une femme me disait qu'elle m'aimait, je me disais, mais comment peut-elle aimer un imbécile pareil, quoi. Vous étiez parti sur une idée sur laquelle je pense que nos invités vont réagir en disant qu'il y a une part de responsabilité chez celui qui frappe et chez celle qui est frappée. C'est ce que vous disiez, André? Oui, c'est pas du tout pour... je fuis pas du tout ma responsabilité. Pas du tout, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais si vous voulez... J'ai remarqué, il y a eu une scène il y a quelque temps avec ma compagne actuelle où j'ai vu clairement qu'elle était en train de recommencer, si j'ose dire, une espèce d'habitude qu'elle avait avec son ex-compagnon, son ex-mari. Et j'ai eu la présence d'esprit de mettre la porte de la cuisine entre nous. Et je lui ai dit, je ne rentrerai pas dans ce cirque-là, je ne veux pas te frapper. Et je ne marche pas là-dedans. Vous vous donnez bonne conscience à bon compte, hein? Oui, c'est possible. Je pense que c'est facile toujours de dire, alors vous voyez, j'ai vécu dans ma petite enfance des choses vachement violentes, donc je suis violent moi-même, donc je bois, donc c'est normal. Non, c'est pas normal. Il n'y a pas que ça, il y a en plus aussi... Responsabiliser l'autre, chacun fait ce qu'il a envie de faire, on a tous notre libre arbitre, on ne responsabilise jamais l'autre. On ne dit jamais à l'autre, c'est ta faute si ça se passe comme ça. Je pense que la responsabilité, surtout dans des histoires de coups, où on tape l'autre, quand même, il y a une question de force aussi. On n'est pas en train de faire une joute orale, on n'est pas en train de... Non, il y a une question de force. Et je t'attrape, je te tape, je t'en mets une, et puis je t'envoie à l'hôpital. Il faut arrêter. Moi, ça m'énerve. Oui, j'entends bien, madame. Attendez. André, vous allez pouvoir vous expliquer, hein, mais on continue pour savoir si tout le monde est d'accord. Oui. Latra, vous en pensez quoi? Moi, j'ai un peu pitié de lui, quoi. Pas moi. Sur la part de responsabilité des femmes battues. On n'a aucune responsabilité. C'est facile de dire qu'on est responsable, mais responsable de quoi? On n'est pas responsable s'ils ont une mauvaise, une mauvaise enfance. On n'est pas responsable s'ils boivent. C'est pas de notre faute. Ils n'ont qu'à assumer. Une chose que je comprends pas. Vous dites que vous avez énormément travaillé et que votre compagne en profite. Je crois que ce qui aurait été bien, c'est que nous toutes, on puisse en profiter, que vous soyez là. Oui, bien entendu. En vrai, déjà, Patricia, franchement, déjà, il est là-bas. Enfin, je veux dire, je ne vais pas le défendre. Hein. Moi aussi. Ouais. Enfin, je veux dire, il pourrait être nulle part, quoi. Et on pourrait avoir aucun homme avec lui. Je pourrais être ailleurs aussi, je pourrais très bien être là, parce que je veux dire, cette honte, moi, je la porte. Je suis encore estampillée, là, et je le resterai toujours. Même si on a le sourire, moi, je vous assure que je plaisante chez moi. Je ne suis pas la dernière à faire la dernière connerie en date. Mais si vous saviez ce que j'ai honte... Sur la responsabilité commune, vous réagissez comment quand André en parle? C'est pitoyable. Hélène, vous en pensez quoi, vous? Moi, j'ai été manipulée comme ça pendant 4 ans, donc d'écouter la souffrance de l'autre, non, rien. Qu'est-ce qu'elle vous disait, cette femme que vous battiez une fois que la crise était passée? André? Très franchement, c'est arrivé il y a fort longtemps maintenant, je ne me souviens plus très bien, mais en tout cas, elle me pardonnait. Et bizarrement aussi, si vous voulez, j'étais complètement écœuré d'avoir fait ce que j'avais fait, si vous voulez. Les femmes qui sont sur le plateau sont terriblement ulcérées par ce que je viens de dire. Mais j'ai simplement dit une part de responsabilité. Je n'ai pas dit toute la responsabilité. Non. Mais okay. Vous avez dit, même sur une part, elles ne sont pas d'accord avec vous. Bon, d'accord. Mais en revanche, okay. Je vous parlais de votre histoire et votre histoire ne fait pas la règle, encore une fois. Hein. Non, mais si vous voulez, je vous dis, je suis derrière cet écran strictement pour des histoires d'anonymat à propos de l'alcoolique anonyme, parce que je n'ai pas raison de mouiller l'association dans la démarche que je fais aujourd'hui. Donc pour moi, je vous le dis encore une fois, il me faut un certain courage. J'aurais pu tranquillement rester chez moi, planqué, à écouter que ce soit un autre couillon qui fasse ça à ma place. Ouais. André, quand vous avez envie de cogner cette femme sans être sous l'emprise de l'alcool... Mais j'avais pas envie, monsieur Delarue. Non, je parle de la deuxième, celle avec qui vous vivez actuellement. Mais j'ai pas eu envie non plus, c'est quelque chose qui se met en route. C'est une pulsion qui monte alors? Oui, bien sûr. Okay. Ça vous est jamais arrivé en bagnole d'avoir ce genre d'incident ou avec un collaborateur, quelqu'un qui d'un seul coup a fait quelque chose qui... Voilà, c'est simplement... Non, mais si, des pulsions de violence, on peut en avoir, mais c'est pas pour ça qu'on passe à l'action, pour autant. Bien sûr, mais bien sûr. Mais bon, rien ne dit que vous n'y passerez pas vous-même un jour, à l'action. D'accord, d'accord. Voilà, ok, si vous voulez. Je voudrais intervenir. Oui, il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé ici, et qui est très grave, c'est que quand on est avec des gens violents, enfin, des hommes violents, ça se passe aussi au lit. Enfin, je ne sais pas si certaines personnes... Vous parlez de relations sadomasochistes? Voilà. Non, mais en fait, ça se passe dans la violence. Puisque de toute façon, nous ne sommes pas prêtes à le... Vous pensez bien que quand on prend... Faisiez pas l'amour tendrement, quoi. Ça, voilà. Quand on prend des coups une heure avant ou deux heures avant ou une journée avant même,
on n'est pas en état d'aller... Bref. Compris, ouais. Et donc... c'est comme un viol conjugal. Voilà, tout à fait. Hélène. Mais ça, aller le faire croire justement à quelqu'un, à un policier, ou aller le faire croire à d'autres gens, non. Patricia. Non, c'est vrai que... Je crois que cette dame met des mots à des choses que je n'avais pas pu encore formuler jusque-là, même après 2 ans. Mais c'est vraiment ça. Je crois que la violence, elle est partout. Elle est dans la manière dont il vous ouvrira la porte. Enfin, généralement, on se la prend dans la tête. Mais bon, tout ce qui est fait, de toutes les façons, est violence. Et quand madame parlait tout à l'heure d'humiliation, je crois que c'est au-delà de ce que peut penser le commun des mortels. Parce que bon, l'humiliation, elle prend des dehors parfois très insignifiantes. Mais c'est vraiment... Oui, c'est te rabaisser et avoir l'impression d'être rien, de pas mériter d'être sur cette terre. Alors, il me disait que j'avais le sourire. Ouais. Mais il me disait que j'étais rien, que je ne valais rien, que sans lui, que si je le quittais, je serais une clocharde, que je ne vaux rien. Eh bien, je vaux quelque chose. Je suis là. André. Oui. Enfin, on pense ici que les spectateurs sont tout à fait responsables et ça, comprennent, et tout le monde peut se faire une opinion de ce qui est en train de se passer sur ce plateau, et voilà, et chacun ressortira grandi ou pas, mais en tout cas aura compris ce qui s'est passé ici et se fera sa propre opinion en tout cas, et ça c'est important. Juste un mot, techniquement presque, comment vous avez appris à gérer vos pulsions de violence, y compris maintenant que vous ne buvez plus, et malgré le fait que vous ne buvez plus, vous avez connu des pulsions de violence, vous avez appris à les maîtriser comment? De quelle manière? Ben, je commence à savoir comment je fonctionne, si vous voulez. Quand je vois que les événements, ça part toujours, quelqu'un l'a dit aussi, sur des choses assez banales. En moi, il y a quelque chose qui se passe, où je me dis, là, je suis pas dans... Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'avant, vous souffriez après, maintenant, vous souffrez avant? Ben, avant, je ne voyais pas ce qui se passait, si vous voulez, j'essayais de... Non, vous souffriez après avoir frappé, quand même. Oui, bien sûr, mais si vous voulez, déjà, au moment où ça se déclenchait, où il y avait quelque chose, il y avait toujours un facteur déclenchant. Puis si c'était une maladie, ça vous arriverait aussi, par exemple, avec votre collègue de travail, il poserait le buvard n'importe quoi. Attendez, vous avez eu un temps de parole, s'il vous plaît. Ça vous énerverait aussi, vous le frapperiez? C'est une question, est-ce que vous avez frappé d'autres personnes que votre femme? Non, bien sûr que non, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis resté 10 ans marié, j'ai jamais de violence. Les personnes, sur le nombre de gens avec lesquels j'ai vécu, de femmes avec lesquelles j'ai vécu, c'est arrivé avec 2 femmes. C'est arrivé avec une femme de façon durable et ça a failli arriver avec ma compagne actuelle. Mais ça ne s'est jamais reproduit. Toutes les autres femmes avec lesquelles j'ai vécu, c'était une relation normale. Ce qui me surprend, c'est la notion de prétexte. Vous parliez tout à l'heure de pulsion. Moi, à mon avis, c'est plutôt la pulsion qui vous donne envie de frapper et après, vous avez ce petit prétexte qui arrive. Je ne crois pas que ce soit un prétexte qui va vous donner envie de frapper. Je crois qu'il y a une violence en vous que vous avez envie de faire sortir. Et après, vous allez trouver la légitimation, en fait, la légitimité de cette violence. Et vous la trouverez dans le prétexte. Non, n'essayez pas d'expliquer. Moi, je suis en train de témoigner. N'essayez pas d'expliquer ce que je dis. C'est pénible. Non, mais attendez, vous êtes... N'essayez pas d'expliquer ça. Attendez, alors là, excusez-moi. Monsieur, si vous n'avez pas manqué de respect à ces femmes, si vous permettez... Alors qu'elles en fassent autant, s'il vous plaît. Non, mais je vous laisse... Non, qu'elles en fassent autant, excusez-moi. C'est pas elles qui ont frappé, c'est elles qui ont reçu. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait une responsabilité partagée. Oui. Il faudra quand même pas exagérer. Si maintenant, elles vous font des remarques, vous les acceptez aussi, et vous y répondez gentiment, parce que c'est encore plus dur pour elles que pour vous. C'est aussi votre rôle, je pense... Non, je suis dans deux secondes. De quoi, faire des magots? Non, c'est aussi votre rôle de me laisser le temps de répondre à ces questions. Je le fais avec beaucoup de bonne volonté. Et si vous ne manquez pas de respect à mes invités, vous pouvez m'insulter tant que vous voulez. Moi, ça me dérange pas. Non, j'ai aucune envie de vous insulter, monsieur Delorme. Insultez-moi plutôt que les autres. Ne manquez pas de respect aux invités, s'il vous plaît. Comment vous faites pour contenir vos pulsions aujourd'hui? Eh bien, j'en parle. J'ai dit à ma compagne, voilà, tiens, tu viens de me dire ça, ça m'a touché, ça m'a fait mal. Et j'ai mal compris peut-être, mais voilà, qu'est-ce que tu veux me dire derrière ça? Voilà, parce que parfois, je rajoute des choses à ce qu'on me dit. Comme tous les êtres humains, je donne du sens à ce qu'on me dit, comme en ce moment. Voilà, les femmes disent des choses à propos de moi, je me sens accusé, etc. Donc ça m'arrive dans ma vie aussi. Donc je regarde et je partage avec ma femme. Je lui dis, écoute, voilà, tu m'as dit ça, ça m'a fait vraiment de la peine. Et voilà, je voudrais qu'on... Est-ce qu'on peut clarifier ça entre nous? Est-ce qu'on peut regarder là-dessus? Et parfois, c'est... Ok. Mon chéri, je voulais absolument pas faire ça. Et je voulais pas te blesser ou je voulais pas te... D'accord. Et puis voilà, alors qu'avant, je cachais tout, je disais rien. D'accord. J'encaissais, je disais rien. Entendu, André. Je vous remercie quand même d'être venu parce que vous êtes un des seuls hommes à avoir accepté de parler, même de manière anonyme. Et je vous remercie pour votre témoignage. Je vais donner maintenant la parole à Thierry Jacquier, qui est médecin généraliste dans la ville de Chambéry. Où est-ce que vous êtes, docteur? Bonsoir. Vous voulez réagir d'abord? Oui, tout à fait. Je voulais simplement dire que dans cette émission, tout s'est dit à peu près. Je crois qu'il y a
Tout d'abord, des troubles. Moi, je considère que la violence est un trouble du comportement. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous spécialiser, je précise que ce n'est pas une spécialité médicale, oui, dans la violence conjugale? Est-ce que c'est parce que dans votre cabinet, vous avez reçu trop de cas qui vous ont fait comprendre qu'il y avait besoin d'agir? Alors, en fait, c'est un concours de circonstances, si vous voulez. Nous avons développé sur Chambéry une politique de prise en charge des violences familiales. Et donc, le travail auquel je participe, c'est un travail en réseau qui regroupe donc le substitut du procureur, les associations, les policiers, les gendarmes et la déléguée des droits des femmes. D'accord. Donc, c'est un travail de groupe. Et dans ce contexte-là, mon action de médecin s'inscrit dans la prise en charge des... Vous participez donc à cette thérapie comportementale? Tout à fait. Aussi bien auprès des hommes qu'auprès des femmes? Tout à fait. Je reçois... C'est dur de schématiser, mais qu'est-ce que vous dites aux hommes et qu'est-ce que vous dites aux femmes? Écoutez, un peu la même... D'abord, un interrogatoire sur les antécédents. On travaille un petit peu sur l'examen clinique. Comprendre ce qui se passe. On a une relation professionnelle. On essaye de créer un lien, surtout, parce que ce n'est pas facile. On fait, le cas échéant, un certificat quand c'est nécessaire. On a une sorte de prise en charge complète de la personne. Et on va essayer de travailler à la fois sur les situations qui ont motivé le passage à l'acte. On travaille sur les émotions de la personne, ce qu'elle ressent. Et on travaille sur son comportement, qu'est-ce qu'elle fait. Et on voit les alternatives aux comportements qu'il est possible de faire. Parce que la plupart du temps, les hommes en sortent guéris, ils ne frappent plus. Alors la réponse, les gens ne sont jamais guéris, si vous voulez. Non, est-ce qu'ils ne frappent plus, je veux dire? Je pense qu'ils peuvent apprendre à ne pas frapper, ça c'est clair. C'est d'ailleurs le but de la prise en charge, c'est avoir un comportement adapté. Qu'est-ce que vous leur faites comprendre qui déclenche la modification de comportement? Je leur fais comprendre qu'ils ont avantage à ne pas fonctionner comme ils fonctionnent. Et essentiellement, ils ont, au fond de même, ils ont une violence intérieure qui est extrêmement importante. Donc on va travailler sur cette violence et on va voir les alternatives de comportement qu'il est possible de développer. Et vous arrivez à reconstruire des couples comme ça? Je n'ai pas la prétention de reconstruire. Non, mais ce n'est pas une prétention. Je veux dire, à faire en sorte que des hommes... Il y a effectivement, tout à fait. Un certain nombre de patients que j'ai eu l'occasion de prendre en charge sont restés en couple, mais ont appris à fonctionner différemment. On va passer à la reconstruction qui est le troisième et dernier chapitre de cette émission, évidemment. Avec vous, Patricia, on entendra Daniel un peu plus tard dans l'émission et nos autres invités. On va regarder d'abord ce reportage avec vous, Patricia, si vous voulez bien. Vous voulez dire quelque chose d'abord? J'ai pas vu la totalité du... Enfin, j'ai pas vu le reportage, finalement. Et j'en ai peur. J'ai peur de tout ce qui va en ressortir. Vous êtes prête à le regarder ou vous... Oui, je vais respirer très fort. Depuis 6 mois, donc, vous vivez avec Antonin, qui est avec nous. Bonsoir, qu'on a aperçu tout à l'heure. Comment vous êtes rencontrés, peut-être, avant de... Eh bien, dans ma fuite, j'ai été obligée de faire du stop. Et bizarrement, je n'ai pas eu besoin de pointer le doigt. Il m'a couru après, en fait. Il a stoppé la voiture, il m'a couru après en me demandant où j'allais. Bon, c'est vrai que dans la situation où je vivais, j'ai pas trop compris pourquoi un type se ramenait vers moi. Pour vous aider? Pour m'aider. Déjà, je faisais pas de stop. J'ai pas compris pourquoi quelqu'un s'arrêtait. Je sais pas, je lui ai fait confiance. Je suis montée dans sa voiture extrêmement poussiéreuse. Et c'est derrière un nuage de poussière que j'ai pu apercevoir sa tête. Et je sais pas, il a commencé à me parler. Et depuis, il est là. Et pourquoi il s'est arrêté? Je sais pas, je crois qu'il faudra lui demander, j'en Antonin, sais rien. Pourquoi vous êtes arrêté? Pourquoi je me suis arrêté? J'ai vu un énorme sac à dos, quelqu'un qui portait un énorme sac à dos qui marchait, qui avait encore le pouce tendu, donc... Ah bah c'est pas ce qu'elle dit, hein. C'est... Si, si. Ah bon, moi je sais pas. Si, si. S'il le dit, vers ça. Le bas. Ah oui. Ouais, non, je crois que j'en avais marre. Ouais. Voilà, donc c'était un signe, il fallait s'arrêter. Ouais, d'accord. Depuis 6 mois, donc... Merci pour eux. Depuis 6 mois, Patricia et Antonin, vous vivez ensemble à Arcachon. C'est là que vous essayez peu à peu de vous reconstruire? Oui, enfin, c'est lui qui essaie de me reconstruire. D'accord. Et c'est là que Jean-Baptiste Clavry et Pascal Caron vous ont rencontré. Au reportage. D'accord. Moi, je travaille en fait quasiment en la tordant. Mais moi, je ne peux pas tenir longtemps comme ça. Oui, c'est pas ça. Oui. Je peux pas, cette main-là, elle tiendra pas longtemps. J'étais déjà sujette
à la polyarthrite, mais les coups n'ont strictement rien arrangé. Des coups bien stratégiques, à savoir vous martelez les doigts, vous écrasez les mains. Enfin, c'est vrai que les chaussures de sécurité, de manière répétitive sur le bout des doigts, ça n'arrange pas. Un an après avoir fui l'homme qui la battait, Patricia a rencontré Antonin. Aujourd'hui, ils vivent ensemble, mais Patricia a encore du mal à comprendre l'amour que lui porte Antonin. Oh, c'est tous les jours, chaque seconde. Genre, il achetait des choses. Moi, ça me rentrait pas dans la tête. Je comprends pas pourquoi un type se ramène avec des fleurs, moi. Moi, j'avais un bouquet de coups de poing, armé ou non. Alors, des fleurs... Et en plus, avec le sourire, pensez-vous, il me fait quoi? Qu'est-ce que vous ressentez pour Antonin? Je pense que ça ressemble à de l'amour vu de dehors. Je pense que... En dedans, je comprends pas trop, mais... À l'extérieur, ça doit être de l'amour, oui, je pense. Mais je ne peux plus me doucher debout. C'est à genoux dans la bassine, Je peux pas, c'est sûr que quand on va voir ça, les gens vont se dire, mais je peux pas debout, quoi. De toute façon, je ne tiens plus debout sous une douche. C'est à cause des séquelles physiques ou du aussi, souvenir? Il y a le souvenir et puis même des séquelles physiques. J'ai très vite la tête qui tourne. J'ai tellement pris de coups sur la tête que même le jet sur le crâne, c'est une horreur. Si on me demande quelle est la pire des séquelles, je dirais qu'on est debout. Mais là, c'est mort. Ouais, c'est toujours après la douche. C'est toujours le même rituel. Faut toujours que je m'habitue à... Enfin, garder ce rythme. Je descends, les cheveux mouillés. Enfin bon, j'ai toujours... ça m'est nécessaire de retrouver toujours les mêmes gestes. Parfois, je m'octroie. Ça fait faire l'exercice aux mains. Pourquoi vous restez dans le noir comme ça toute la matinée? Parce que la lumière est pas supportable avant. C'est même pas. C'est de savoir qu'un autre jour recommence et je sais pas ce que je vais mettre dans cette journée. C'est se demander chaque fois ce qu'on va faire de ces heures qu'on nous donne parce qu'on se demande pourquoi on a envie. Quoi. C'est la grande question. Qu'est-ce qu'on fout là? Patricia s'est enfin décidée à revoir le médecin qu'elle consultait quand elle subissait les coups de son compagnon. À l'époque, elle venait le voir sans rien lui révéler de sa situation. En fait, j'avais envie de vous revoir, presque pour m'excuser de vous avoir parfois menti sur certaines de mes attitudes. Je dirais pas menti, moi. Je dirais pas menti, je dirais simplement avoir omis de raconter ces choses-là. Mais je le comprends très bien, ça fait partie malheureusement de la pathologie de cet état-là. C'est d'abord de le cacher, presque comme si c'était une honte. Oui. Mais c'est quel type de coups qui ont pu provoquer ces blessures chez vous? Ah bah c'est très clair, ce sont des coups de pied, des bancs de cuisine, une barre à mine, faut que je fasse l'énoncé de la totalité, des chaussures de sécurité, tout ce qui lui tombait sous la main, quoi. Là, maintenant, c'est le début. Là, elle s'en sort, mais elle n'est pas sortie. Il faut qu'elle puisse, justement, en parler, verbaliser tout ça. Je ne veux pas me dire « je vais accepter un corps qui a été meurtri ». Je n'ai pas envie. Moi, j'ai envie d'être comme les autres femmes, qu'ils m'aiment aussi pour l'attrait physique que je peux avoir. Nom d'un chien, j'ai envie de ça. Je n'ai pas envie, qu'ils m'aiment parce que j'ai de l'humour. Certes, je suis arrivée à 40 ans, mais j'ai envie de l'épater aussi, après tout. J'ai envie de jouer à ça. Je ne l'ai pas eu. Ben, vous avez envie tout simplement d'être une femme normale, équilibrée. Oui, monsieur. C'est tout. C'est tout. J'ai envie d'avoir une vie de femme, oui. Chez sa voisine Christine, Patricia se réfugiait quand elle ne supportait plus les coups. Quand elle a pris la fuite définitivement, elle lui a confié ses enfants pendant 3 mois. J'ai pas réfléchi le jour où tu étais devant la porte. T'étais là, je l'ai fait rentrer, j'allais partir au travail, je lui ai dit tu peux rester, il n'y a pas de problème, on mange ensemble à midi, je te ramène. Vous avez eu pitié pour elle? Je crois pas que ce soit de la pitié, non. C'est pas normal. C'est le sentiment d'injustice qui est intolérable. Je peux pas accepter la justice. Comment on peut... Je sais qu'elle est venue à pied jusqu'ici.
Je sais qu'elle n'a pas voulu frapper trop tôt parce qu'elle avait peur de me déranger, de me réveiller, etc. Donc, c'est pas de la pitié. Le plus bel acte d'amitié que j'ai reçu de Christine, c'est de dire pars même si tu ne reviens pas, quoi. Parce qu'à ce moment-là, je crois que même les enfants ne me retenaient pas. Je crois que j'en étais arrivée à un stade où plus rien ne me raccrochait à la vie. Ça, peu de gens pourraient le comprendre. C'est vrai que de la part d'une mère, de dire les enfants ne retiennent pas, non. Je crois que j'ai pas eu honte de dire ça ne me retient pas. C'est là que vous dormiez quand vous veniez, vous cachiez? Oui, je me cachais là. Tout était fermé. Enfin bon, à ce moment-là, il y avait des rideaux. Il est passé le courrier. Pourquoi tout était fermé? Ah, je supportais pas la lumière. Non, il fallait que... Je sais pas, fallait que tout s'arrête en fait. Je voulais pas voir le temps passer. À la limite, les rares fois où j'arrivais à sortir de cette chambre, c'est quand j'étais sûre qu'il fasse bien nuit. En ce cas, j'allais le long du canal. Et j'essayais de... Enfin, la plupart du temps, honnêtement, j'allais gueuler là-bas, quoi. Des choses comme ça où je me vide complètement, ça me fait du bien. Quand je repars d'ici, j'ai l'impression que j'ai tout déchargé, toute la colère. Et c'est vrai que je respire beaucoup mieux. Comment vous voyez votre avenir, Patricia? Votre avenir proche? Je sais pas ce que c'est, quoi. Malgré la reconstitution dont vous parlez? Oui. Malgré ça, je ne sais pas ce qu'est demain. Je ne sais pas. Je crois que ça aussi, ce sont des séquelles. Je crois que la chronologie, tout ça, ça devient temporel. Je sais pas. Je sais pas. Toujours été qu'aujourd'hui, je respire, je marche. Demain, je ne sais pas. Demain, je ne sais pas. C'est la phrase que vous avez dite dans ce reportage. Oui. Est-ce que vous envisagez quand même, ne serait-ce que par bouffée, par moment, un avenir avec votre compagnon actuel, par exemple? Complètement, je crois qu'il a la patience qu'il faut d'attendre mes sursauts. Tout ce que je fais, c'est sporadique. Ce qui m'a fait énormément de mal, c'est de voir aussi certaines séquelles que je ne peux pas voir, même face au miroir. Savoir que j'ai encore des morceaux de dents à l'intérieur. Là. Je vois que ça m'empêche finalement d'avoir une mouvance du visage. Moi, je m'en rends compte. Et ça, c'est vrai, ça fait mal de se voir complètement. Je dirais que moi, en fait, je ne cesse désormais que de revoir des scènes où quelqu'un d'autre que moi se fait battre. J'ai pas compris pourquoi il y avait tout ça. Madame le signalait tout à l'heure. Pourtant, enfin, moi, j'ai pas fait de bêtises, quoi. J'ai tout le temps été là. Il faut savoir que c'était un individu qui ne travaillait pas. Moi, je travaillais parfois 18 heures par jour. Donc, quand on me demande comment ça a pu se faire, ben, c'est simple, il y a cette espèce de tourbillon, cette espèce de roue qui tourne. On met un doigt dans l'engrenage, donc on prend la première baffe. Pour ma part, ça a été une virgule que j'ai mal placée quand j'ai fait une addition pour le paiement de quelque chose. Donc, il a cru que je mettais 80 francs dans la poche. C'est vrai que parfois c'est très difficile aussi pour les gendarmes d'intervenir parce que le bail est au nom de telle personne, etc. Moi, il faut savoir que le bail était à son nom. C'est moi qui ai toujours payé en six ans de bons et loyaux services. Donc, voilà. Donc, les gendarmes ont très vite choisi. Ils ont regardé le papier. Donc, avec mon petit garçon, ben, on était dehors. Même enceinte, j'ai eu la grande joie d'aller dehors, dans un lavoir. Bon nombre de gens, par contre, connaissaient ma situation, mais ne sont absolument pas intervenus.
voilà, donc la pire des séquelles, en fait, c'est de se souvenir de ce qui n'a pas pu être fait. Moi, j'ai perdu des années. J'ai des séquelles physiques qui sont irréversibles. Et je suis restée des semaines où je ne pouvais pas bouger, ni parler, ni m'alimenter, ni me... Tout se ferme. Bon, désormais, bon, j'ai même de l'eau dans les poumons. Je pense que c'est dû aussi à une concentration de souffrance. Quand on parlait tout à l'heure, comme cette jeune femme disait, qu'on reçoit comme ça des pics d'animosité. Il n'y a pas 10 secondes de votre vie où il y a quelque chose de calme. C'est partir au travail à pied parce qu'il lui faut de l'argent, et puis il ne faut pas le lui dire, et puis c'est la traque perpétuelle, c'est même... jamais, je crois qu'en 8 ans, je n'ai pas respiré. Quand je dis dans le reportage que j'ai perdu ma féminité, je ne sais même pas comment Antonin a pu remarquer cette espèce de sac à dos qui marchait, j'en sais rien, je pense qu'il me raconte quelquefois, je ne sais pas. Mais quel malheur pour lui, mais même pour Christine, elle a déployé des monceaux d'amitié comme... C'est votre copine, Christine. C'est ma sœur. Mais je ne sais pas où ils sont allés chercher cette patience, et je crois que bien l'émission pour les femmes battues, mais si, je voudrais faire une émission sur tous ces gens qui nous ont entourés, qui nous ont... supportés, parce que, je veux dire, le nombre de fois où Antonin a préparé des bassines... sans que j'aille dedans, le nombre de fois où Antonin m'a préparé des petits plats et que je n'ai pas mangé, le nombre de fois où il me passait des mots sous la porte et je les lisais, pourtant c'était très beau, mais ça fait 20 ans que j'attends ça, quoi. Et c'est vrai que j'ai du mal à supporter, parce que bon, le ciel a encore voulu qu'il y ait une différence, c'est qu'on a 20 ans de différence. Je sais pas, enfin bon, il y a des gens qui ne jugent pas, je suppose que dans la salle certains jugeront, mais je vous assure qu'on ne s'est pas échangé nos cartes d'identité, on ne savait pas, mais ça a été le fou rire magistral quand il m'a dit après, voilà, bonjour, je m'appelle Antonin et... J'ai dit, comment on va faire, j'en ai 20 de plus. Hein. Et en fait, il n'y a pas vraiment de clivage, puisque en fait... Bon, on se retrouve, quoi. Je crois que lui, je ne sais pas dans quoi il a baigné, mais moi, finalement, je ne me suis pas arrêtée. Je ne me suis pas arrêtée, quoi. C'est peut-être ça, c'est peut-être cette chance-là. C'est que je crois qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté dans notre tête et on n'a pas envie d'y aller, parce que je crois qu'on n'a déjà pas compris ce qu'on a traversé. Quoi. Ouais. C'est peut-être ça. Et... Donc, merci Antonin, merci Christine et merci Patricia. Daniel, si vous voulez nous rejoindre. Daniel est sociologue, maître de conférence à la faculté de Toulouse, et publié aux éditions Le Jour ce bouquin qui s'affiche derrière vous, qui s'appelle « Arrête, tu me fais mal », qui éclaire la violence domestique, vous dites domestique plutôt conjugale, 60 questions et 59 réponses, pourquoi est-ce qu'il en manque une? Parce qu'il y a toujours des doutes sur comment ça se passera quand il n'y aura plus de violence contre les femmes. Je crois qu'on vit une période de transition. On a appris aux hommes à être dominants, à être contrôlants, à être le maître chez soi. On leur a dit après qu'il ne fallait pas battre ses proches, et en étant maître chez soi, il y a trouble, on le voit, on voit les effets. Comment ça va se passer après? Il faut travailler ensemble entre hommes et femmes maintenant. Mais c'est vrai que c'est inacceptable, il faut que ça s'arrête, et il faut faire quelque chose, et voilà. Comment expliquez-vous la relative indifférence de la société à l'égard des violences conjugales? Peut-être que si on regardait le nombre d'hommes ministres, le nombre d'hommes députés, le nombre de femmes députées, on comprendrait pourquoi les hommes n'ont pas envie qu'on parle de la violence faite aux femmes. Ok, mais je vais demander à François de Closet de venir nous rejoindre pour la conclusion de l'émission, François. Merci. Est-ce que vous avez des réponses aux questions que vous posiez il y a 10 ans, quand vous avez fait une émission sur ce thème? Les choses ont évolué. Mais moi, je retiens une chose, c'est qu'en permanence, on parle du droit d'ingérence. Hein, parce qu'on nous dit là-bas, il y a des sociétés dans lesquelles les gens sont opprimés, c'est intolérable. Alors nous, la société des droits de l'homme, on va aller s'ingérer. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on découvre ici? Que l'on supporte exactement la même chose. Alors moi, au cours de cette émission, je dis, mais bon sang, pourquoi on le supporte? Je pense qu'il y a deux raisons. Il y a d'abord cette idée que, bon, parce qu'on est des machos, on a 300 ans, 3000 ans de machisme derrière,
Un homme peut bien donner une paire de gifles à sa femme. Ça ne nous regarde pas. Une gifle, c'est pas bien grave entre mes femmes. Heureusement, la loi depuis 1994 a dit que c'est beaucoup plus grave quand on frappe sa femme que quand on frappe une femme. Parce que l'homme, c'est le protecteur dans la famille. Sa femme ou sa compagne, protecteur, bien sûr. Et quand le protecteur devient l'agresseur, c'est beaucoup plus grave. Mais c'est pas encore passé dans les esprits. Puis la deuxième chose, ça ne nous regarde pas. Parce que chaque famille est un État souverain. Eh ben non. Maintenant, on a un devoir d'ingérence. Parce qu'il faut que ça devienne un tabou absolu. Hein. L'homme, il a la force. Eh bien, il ne peut pas la détourner, ni pour abuser de sa fille, ni pour lever la main sur sa femme. Et quelles que soient les raisons, il faut aussitôt sanctionner. Bon, après, on fera des thérapies, hein. On essaiera de les désintoxiquer. Mais il faut aussitôt sanctionner. Parce que si ce n'est pas un tabou intériorisé comme tel, accepté par tous, eh bien, il y aura toujours un moment où ça commencera et où ça ne s'arrêtera plus. Je pense, je me permets de dire, le fait pour un homme de donner une gifle, ce n'était pas un tabou absolu. Eh bien, il faut que pour vos filles, ce soit un tabou absolu. Un interdit total. Absolu pour tout le monde. On ne lève pas la main sur une femme et d'abord et surtout sur sa femme. Un point, c'est tout. C'est un tabou aussi grave que d'abuser de sa fille. Et le jour où toute la société l'aura compris. Merci, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir eu le courage d'en parler. C'est pas bien souvent qu'on aborde ces thèmes et je sais que beaucoup d'entre vous ont dû se faire violence pour pouvoir l'aborder. Nicole, j'espère que vous trouverez un sens et du courage pour pouvoir vous sortir de la vie dont vous souhaitez vous sortir, vous nous avez dit, et dont vous êtes encore prisonnière aujourd'hui. Merci à toutes d'avoir été nos invités ce soir. Bonsoir, à mercredi prochain.